Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour Internet, bonjour le monde, j'ai envie de dire, et bonjour Pulsophonique. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tout le monde. On est censé recevoir deux personnes, mais j'en ai évidemment qu'une. Ça devrait vous donner un indice sur qui nous recevons. Ça a l'air d'être Jean-Luc Picard, ou je ne sais pas. Ah oui, putain, je sais plus quoi dire. Voilà. Il est où ce poule? Il est où? Il est où? Que je vous dis. Ah, salut, salut, ça va, David? C'est pas Titan qu'on attendait, on a un poulpe là, j'ai l'impression. Ouais, on a un... Non, c'est moi. Non, mais il paraît qu'il y a un poulpe dans les parages. Je me suis dit que j'allais le chasser. Ouais, alors je me suis mis en poulpe, je me suis déguisé, je suis équipé, je m'en épuisais pour l'attraper. Donc je suis bien camouflé, je crains rien, je vais le choper, hein. Je reviens. Ah, mais on a un live, je crois, là, non? Ouais. Tira après. Ah mince. Ah oui, bah ce que je fais, je pose tout, j'arrive. Un 1 200 000 personnes. Il y a des algues. T'attendre. Ouais. C'est ça. Des algues partout, c'est pas vrai. Quel bordel. Salut. On va le laisser se déshabiller. Salade pour midi, ça. Allez hop. Voilà. Les écouteurs, j'arrive. Oui, vous entendez pas en plus, putain. Tout ce non, j'entends rien. Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Je m'entends, ça y est. Il a un sacrifié salade dans les dents. Ce stream, j'espère pas, parce que j'en connais une qui va pas trop apprécier ici. bienvenue les amis, bienvenue Eric, bienvenue Johan, aka Pulsophonique et Eric aka Titan. Tout à fait. J'écris à votre nom, c'est la magie d'Internet, on peut faire des trucs incroyables comme ça par exemple. Voilà. Il va jamais arrêter, c'est ça le pire. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? C'est écrit. On va parler d'un jeu dont on a parlé il n'y a pas longtemps ensemble, Eric, qui s'appelle Oculus. Ouais. Tu vas être comme ça toute l'émission? Ouais. Non. On sait pas. Qui s'appelle Octopus, qui est un jeu que tu as fait donc avec Cuculclan et Pulsophonique, évidemment. Tu en as fait les graphismes. C'est un jeu qui est une refonte, un remake, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Tu peux arrêter. Un remake d'un jeu. J'ai perdu le son. J'ai perdu les oreilles. Game & Watch, très connu, hein, un jeu Game & Watch où on avait un petit bonhomme en scaphandre qui devait aller récupérer des trésors au fond de la mer et donc il était attaqué par un kraken, un octopus, un poulpe géant, quoi, voilà. Beaucoup moins effrayant. Buffalo Soldier, était en Jamaica. Buffalo Soldier. Quelle chose tu crois ce matin? Ouais, je sais pas ce que t'as pris dans ton Nesquik. Non mais. Ça fait Rasta, non? Vous trouvez pas? Ça fait un peu Rasta? Non. D'ailleurs, vous savez pourquoi Bob Marley s'est appelé Bob Marley? Vas-y. Il a dit, je me suis mis un Bob sur la tête et j'ai vu que le Bob Marley, C'est nul. Voilà, t'es viré. Bon, on continue. Oui. Octopus qu'on a présenté il y a quoi? Il y a pas si longtemps, 2 mois, je sais pas, c'était durant l'été là. Oui, c'est pas mieux. Et donc, c'était une version. Alors, paradoxe, c'était une version en noir et blanc, on peut dire ça comme ça. C'est pas tout à fait ça, mais voilà. D'un jeu parce qu'il est conforme à l'original, c'est-à-dire une petite matrice LCD sur un écran portable de Game & Watch et juste des petits décors en couleur autour. En respectant le gameplay, ce qui n'était pas forcément évident, et en respectant la colorimétrie. Et puis, moi je vais te virer de l'écran, hein, Eric. Hein. Ah pardon.
Et puis, vous vous êtes dit, comme c'est bien beau de faire ça, mais comme on l'a sorti sur GX4000, c'est dommage de ne pas profiter de toutes les performances du GX4000, etc., pour faire un beau jeu. Et donc... Pardon. Toi, hein, je vais arrêter l'émission. Pardon. et donc... Oui. Comme vous avez dit, c'est dommage de ne pas profiter des. J'ai compris. Comme c'est dommage de pas profiter des fonctionnalités du GX4000, hein, qui est un Amstrad CPC boosté à fond la caisse, vous avez dit on va faire une version deluxe d'Octopus. Voilà. Avec plein de couleurs, avec des trucs vachement mieux, de la musique et tout le bordel. Mais comme quelque part, on est peut-être un peu con, ou alors on aime bien se compliquer la vie, au lieu de faire sur GX4000, on va le faire sur Amstrad classique. Est-ce que j'ai bien résumé le challenge ? Tu as super bien résumé le j'arrive plus à parler. Alors, tu as bien résumé le challenge. Et ouais, j'ai juste une question. Pourquoi vous avez fait ça ? Pourquoi vous avez fait un truc plus coloré, plus joli, plus tout ce que vous voulez, sur une machine moins performante que votre première version ? Parce qu'on est des grands malades. Non, en fait, c'est très simple. C'est très, très simple. La version GX4000, on voulait qu'elle soit le plus proche possible de la version originale, le Game & Watch. Le Game & Watch, quand on le regarde, il a quand même quelques couleurs. On va dire qu'il en a 7-8. Or, l'Amstrad classique, le mode 1 de l'Amstrad classique, ne permet que 4 couleurs. Et si on voulait être très précis pour représenter du LCD, il fallait qu'on soit en mode 1, c'est-à-dire avec des petits pixels bien carrés. Si on avait fait ça sur l'Amstrad classique, on n'aurait eu que 4 couleurs, on n'aurait pas pu rendre justice au Game & Watch originel. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va faire la version classique sur GX4000 et on va utiliser ses capacités supérieures, c'est-à-dire les sprites hard, qui permettent de mettre en plus sur l'écran des sprites de couleurs différentes, donc d'apporter, ils apportaient eux-mêmes leur palette, en fait. Donc, on a pu faire des écrans comme ça, en 7-8 couleurs, et tout en restant très précis dans le graphisme. Donc, on s'est dit, ça va être la version très proche, la version old school. Et puis, on s'est dit... on s'est dit si on faisait une version un petit peu plus colorée. Et là, moi, je suis fan du mode zéro, c'est-à-dire les pixels bien rectangulaires, mais qui ont l'avantage d'avoir une palette de 16 couleurs au lieu de 4. Donc là, je me suis dit, allez, redesignons tous les graphismes. On va faire des graphismes en mode zéro très colorés. Et ça, pour le coup, ça fonctionne sur un Amstrad classique. Donc voilà pourquoi, en fait. C'est vrai que c'est paradoxal, comme tu l'as dit au début. Mais en fait, on aurait pu développer cette version classique sur la GX4000. D'ailleurs, quelqu'un a fait un CPR, donc une cartouche, une conversion, qui permet de jouer à cette version classique sur GX4000. L'un n'empêche pas l'autre, effectivement. Mais... Voilà. Mais l'inverse, donc voilà pourquoi. Voilà, okay. Voilà la raison. Et alors, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. C'est très bien expliqué. Je vais m'adresser là à Pulsophonique. Alors effectivement, on me dit dans le chat, d'ailleurs, je n'ai pas salué tous les gens qui sont arrivés, hein, Laurent, Margounette, Sunharmonix. Alors Sunharmonix, hein, il t'attend au tournant Pulsophonique. Il attend un truc, c'est que tu lui montres le synthé que tu m'as montré tout à l'heure, je pense. donc bienvenue à tout le monde, hein. j'ai pas vu passer tout le monde, mon scroll, mon truc est remonté. Pulsophonique, toi, tu as participé aux deux projets. Donc le premier, et salut Froguili que j'ai oublié, le premier projet donc sur GX4000, tu as fait déjà la musique, et puis ce nouveau projet donc sur Amstrad CPC. Alors toi c'est pareil, quand on t'a dit GX4000, je suppose que tu t'es dit, ah ben j'ai quand même un peu plus de possibilités techniques, je vais me faire plaisir, et puis comment ça s'est passé finalement pour toi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a moins de musique quelque part sur la GX4000 que sur la nouvelle version. Oui, c'est ça. En fait, comme Eric m'a demandé de rester proche de la réalité, en fait, j'ai été finalement limité sur la version GX4000, on va dire. Je n'ai fait que une musique pour l'introduction. Il n'y a pas de musique même dans le jeu, hein, il me semble. C'est ça. Et je suis resté aussi sur les bases des trois canaux. Simple, il n'y a pas de sample, il n'y a rien dans le jeu. Donc, juste une petite musique d'introduction, il me semble, et puis celle du Game Over. Hein. Il y a un petit moment, je ne l'ai pas ouvert. Comme j'ai eu plein de projets entre-temps, je ne sais plus exactement où on en était dans cette version-là. Et puis, pour la version de luxe, alors là, j'ai été un petit peu gêné parce que ça me faisait bizarre de ne pas reprendre les musiques de la première version pour les mettre dans la version de luxe.
J'avais même proposé à Eric de mettre comme un petit player et les musiques qu'on pouvait faire changer pendant le jeu, éventuellement en appuyant sur une touche. Et puis, non, il voulait quelque chose de totalement nouveau. Et comme il fallait évoquer quand même les Caraïbes, ces choses-là, ben sur l'Amstrad, ce n'était pas évident. Parce qu'il n'y a pas de sample, je ne pouvais pas mettre des sons de marimba, des choses comme ça. Ouais. Et du coup, ben, j'ai fait un petit peu la steel drum guitare, enfin la steel guitare, tu sais, la guitare qui fait des petites glissando comme ça. C'est pour ça que la musique elle évoque ça de cette façon-là. Dans la version J4000, la musique est beaucoup plus rythmique. J'ai davantage joué sur les contretemps qu'on peut trouver dans la musique caribéenne, alors que dans la version de luxe, j'ai plus été dans le côté des glissando de ces guitares. C'est des guitares qui sont posées à plat et qu'on joue avec je sais plus comment ça s'appelle, ça, un anneau comme dans le poids, on fait glisser l'anneau. Oui, voilà, merci. Et on fait glisser l'anneau sur la corde. Voilà. Génial. Donc tu t'es adapté et tu as tout recréé, quoi, finalement. T'as recréé, voilà, complètement l'ambiance sonore. Zéro, avec évidemment une, comment dire, ben, c'est courant chez Eric. une je sais ce que tu vas dire. Courte. Il a fallu que je fasse vite quand même. Il a fallu que je fasse vite. Et en plus, c'est tombé en même temps. Cet été, j'avais quand même pas mal de concerts, de choses comme ça. Donc, c'était pas forcément évident. Voilà. Bon, on y est arrivé quand même. Mais tu as été super là-dessus. T'as joué, oui, tu nous disais avant qu'on prenne l'antenne que tu avais donné beaucoup de concerts hein, cet été et donc tu n'avais pas forcément le temps dédié à composer pour Amstrad. Et bonjour Irène Blanche qui nous rejoint aussi. Comment d'ailleurs tu t'y prends ? Parce que Eric, il nous a expliqué à maintes reprises qu'il a un outil de dessin qui lui permet de rester dans la contrainte de l'Amstrad par rapport à la résolution qui s'est fixée, la palette, etc. Toi, tu es musicien, tu es dans ton studio, là, on aperçoit un tas de trucs, c'est le terme technique, je crois qu'on dit, des trucs autour de toi, multi-paint, voilà, pour l'outil. Comment, toi, tu t'y prends pour composer des musiques avec des contraintes pareilles ? Parce qu'on rappelle hein, quand même l'Amstrad CPC, est-ce qu'on a le droit de dire que c'est nul au niveau musique ? Ah, eh oh, tu dis pas ça, oh ! Je quitte sur le champ cette vidéo Twitch ! Je m'en vais ! Alors, je n'irai pas jusque-là. Eric, reviens, s'il te plaît. Alors, attends, ça nous fait d'être gentil. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des contraintes, en fait. Et à chaque fois, c'est un challenge de faire entrer tout un tas de choses dans aussi peu de canaux, parce qu'on a trois canaux. Alors dans Octopus, par chance, il n'y a pas de bruitage, donc je gardais un canal totalement libre pour pouvoir pouvoir jouer la musique. En général, comment je fais ? Je compose sur mon piano, j'essaie de trouver des idées. Une fois que les idées sont en place, eh bien, je sélectionne lesquelles vont devoir être disposées sur les trois canaux. En fait. Je garde le principal, on va dire, en essayant au nécessaire de partager entre la rythmique et la basse ou des figures d'accompagnement sur un seul canal. Comme ça, je garde les deux autres canaux pour éventuellement la mélodie principale et une mélodie qui va être pour un contre-champ ou un contre-point. Mais si tu sais, Eric, c'est difficile de se concentrer. Alors, je regarde pas. C'est difficile, ouais. On essaie de parler correctement. Là. J'en étais, oui. Alors, c'est un projet qui n'est pas secret, donc je peux en parler. Sur Goldorak, je compose différemment, parce que Goldorak, les orchestrations sont beaucoup plus complexes, on va dire. Et du coup, si je veux réussir à adapter des orchestrations complexes sur les trois canaux, là, je travaille sur un autre logiciel qui s'appelle Logic Pro. Je fais directement mes compos là-dessus. Et c'est dans Logic que je vais sélectionner ce que je veux, ce que je ne veux pas. Ça va me permettre vraiment de travailler de façon plus précise. Et après, eh bien, pareil, j'envoie tout ça dans Arcos. Je bosse dans Arcos, tout le monde pense ici. Et j'envoie mes canaux dans Arcos, tout simplement. Voilà. Ok, alors Arcos, on ne sait pas ce que c'est. Je crois qu'on a. Eric va nous faire une petite démo tout à l'heure de l'outil, si je puis dire, c'est un outil. Comment on peut appeler ça ? Voilà. Arcos, rien à voir avec le constructeur de périphériques hein, et de tablettes et tout ça. Non. Aucun rapport. C'est un logiciel qui va émuler le moteur audio de l'Amstrad et c'est un tracker en fait. Hein, c'est un tracker
et on rentre nos notes dans le tracker. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut exporter directement, enfin, l'Amstrad peut importer directement le travail fait dans Arcos. Donc, c'est un gain de temps assez énorme pour le programmateur. Ok, bel outil. Je ça n'existait pas à notre époque. Enfin... Ah non, non, non. Ça n'existait voilà. pas comme ça. Les trackers ont véritablement... Enfin, sur Amstrad, il y en avait, mais ce n'était pas, c'était pas la folie. Là, quand même, on a la puissance des ordinateurs actuels pour faire tourner un tracker qui est vu de l'Amstrad. Donc, c'est beaucoup plus souple. Et puis, les véritables premiers trackers, on va dire, c'est Atari et Amiga. Voilà. C'est ça. Après, il y en a sur toutes les machines. Hein, aussi. Est-ce qu'on pourrait peut-être, maintenant qu'Eric a terminé son spectacle, est-ce que non, tu pourrais... Non, je suis vexé par ce que tu as dit. Est-ce que tu pourrais nous montrer ce que vous avez fait? Est-ce que tu pourrais nous montrer le résultat? Est-ce que tu pourrais nous montrer le jeu, en d'autres termes? Je peux. Oui, je peux. Ouais. Alors, Laurent nous dit Atari a le même son que le CPC. C'est pas vrai. Hein. Il ne faut pas pousser quand même. Si, c'est vrai. Ils ont le même... Si, mais il a raison. Ils ont le même processeur sonore, un Yamaha, un YM, plus combien. C'est vrai, il n'a pas tort. Enfin, le résultat est loin d'être le même, hein. Même. Si, c'est pareil. C'est pareil. Dans l'Atari, après, ça dépend de la version Atari. Oui, ah, c'est voilà. vrai. Les premiers, voilà, Atari 520ST et 1040ST, ils ont le même processeur que l'Amstrad CPC. Ce qui les a différenciés, c'est qu'après, bah, voilà, ils géraient le MIDI, les Atari. Donc, ça a pris l'avantage. Mais au niveau purement chiptune, c'est à peu près équivalent. Oui. Bah. Ouais, je trouve que les musiques quand même sont quand même plus réussies globalement sur. Et c'est parce qu'il y avait plus de place aussi, c'est ça le problème. Ça joue peut-être aussi. Ouais. Est-ce qu'on peut voir ce jeu, Eric? Ouais. Nous a promis. Exceptionnellement, c'est toi qui vas faire les démos. Hein. Ça simplifiait la logistique. Je te laisse lancer le jeu et puis je partagerai ton écran. Et allez, puis, ça marche. Je n'hésiterai pas à commenter tout ça. Évidemment, voilà, c'est parti. Alors là, on se retrouve sur le CPC, l'écran du CPC. Je vais taper un petit 4 pour vous montrer une première petite phaser, comme on dit en américain. Voilà, un 4-art. Je te coupe deux secondes. On n'a pas le développeur ici qui n'est pas venu, mais évidemment, il y a une troisième personne dans ce projet qui est le développeur. Ce n'est pas vous qui avez fait le code. Tout à fait. Voilà. Donc moi aussi, je salue Bruno, donc Kukulkan, qui a vraiment codé ce jeu en quelques semaines. C'est incroyable, il a fait un boulot de dingue. Il l'a magnifié par rapport... Ça se dit magnifié? Ouais, enfin, il l'a carrément. Sublimé. Allez. Il l'a sublimé par rapport à la version GX4000, vraiment. Il a eu plein d'idées, il a vraiment programmé à une allure de fou. Et le résultat, moi, il m'a laissé sur les fesses, hein, c'est le cas de dire, parce que rien que ce 4-art, déjà, bah, c'est déjà une petite sympa, poisse en soi. En mode zéro, avec plusieurs couleurs, bah, voilà. Donc d'habitude, pour expliquer un petit peu aux profanes, d'habitude, quand on tape 4, donc je vais le refaire, hein, voilà, donc on arrive sur l'Amstrad, quand on tape 4, qui veut dire catalogue, normalement, on a le système de fichiers, c'est-à-dire qu'on va avoir le catalogue, tous les fichiers présents sur la disquette. Et bah, ici, il a créé ce petit 4-art, ça s'appelle, donc 4 pour catalogue, art pour l'art du catalogue. Et donc voilà, donc, on ne peut pas mettre grand-chose en général sur un 4-art. Et lui, il a réussi à mettre le titre, une petite phrase, la commande qu'il faut pour lancer le jeu. Bref, c'est balèze. Alors, chapeau à lui. Donc là, je vais taper une disque, puisqu'on m'invite à taper une disque. Allons-y, c'est parti. Donc on voit en haut, à droite, que ça charge. Nous arrivons sur un premier écran. Donc ça, c'est l'écran de la Team Galaxy. Alors la Team Galaxy, ben voilà, c'est Pulsophonique, c'est Bruno, donc Kukulkan et puis moi-même. On s'est donné ce petit nom depuis Space Race. C'est notre groupe, hein, voilà. Donc cette petite image, en soi, elle a déjà une petite prouesse en elle. C'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais c'est une petite prouesse parce que si on regarde bien de très près. En fait, elle est pas du tout en mode 0, mais elle est en mode 1. Donc là, on s'est dit comment ça, du mode 1, c'est-à-dire, donc si on se rappelle ce que j'ai dit au début de la vidéo, le mode 1, c'est pixel carré, 4 couleurs simultanément à l'écran. Ici, on a des pixels carrés, mais on n'a pas 4 couleurs, on en a au moins 22. Donc, prouesse encore de programmation. Je vous expliquerai si vous voulez après, j'ai préparé un petit truc là-dessus.
Je vous expliquerai 22 comment sur une palette de 27 hein, en plus. C'est ça, c'est ça. Alors, on aurait pu en mettre 27. On aurait pu. Mais bon, mon écran n'en nécessitait que 22. Donc voilà. C'est pas dit que plus tard, on n'en fasse pas d'autres avec 27 couleurs à l'écran. Mais je vous expliquerai après comment on est parvenu à afficher toutes ces couleurs simultanément. Voilà. Donc là, on nous demande voulez-vous l'introduction ou non ? Bah, tant qu'à faire, on va dire où qu'on la veut. Allez. Bah oui, on la veut. Donc, skip. Pour les épileptiques, il faut quitter le. Ne regardez pas la vidéo s'il y a des épileptiques. Hein. Ah oui, sinon, ah c'est oui. L'AVC direct. Ah oui. Alors attention, épileptique, ne regardez pas. Allez, hop, c'est parti. Donc là, on a un petit temps de chargement. On voit qu'en haut, à droite, on a la petite disquette qui clignote. Ça veut dire que ça charge. Ça simule le chargement de la disquette. Et c'est parti. Et voilà la première musique. C'est de l'orage. Hein. Et voilà, c'est donc super la petite intro animée. Donc ça, c'est un petit hommage. Superbe. C'est beau. Donc c'est un petit hommage qu'on a voulu faire. Je ne sais pas si tu te souviens, David, le jeu Opération Wolf. Est-ce qu'il te parle, ce jeu ? Très bien, oui. D'ailleurs, il y a un nouveau qui est sorti, là. Oui. Eh bien, au début, alors je ne connais pas le nouveau, mais au début d'Opération Wolf, on avait une petite animation sur la version arcade où on voyait le soldat se préparer. Donc, il enfilait, je ne sais plus ce qu'il faisait, enfin, il chaussait ses chaussures, il enfilait son arme blanche, enfin voilà. Et j'ai voulu refaire un petit peu ça sur Octopus avec un petit peu plus d'humour. C'est très cool, donc, c'est très réussi. Et la musique merci. Est top. Eh ben super. Donc là, on est sur la page d'introduction. Encore une petite prouesse. Les couleurs qui défilent à l'écran, là, dans le mot Octopus Deluxe, ce sont des rasters. C'est ce qu'on appelle des rasters. Donc ça se fait par la programmation. Et ça permet aussi d'afficher beaucoup plus de couleurs que les 16 d'origine. Là, on est resté dans les tons. Mais voilà. Donc, petit effet bien sympathique. Par un ton, c'est et un on va coup. Lancer le jeu. Alors attends, est-ce que oui. Pulsophonique, là tu peux nous en dire un peu plus sur cette musique ? Ça, cette musique, elle, par exemple, elle a été composée concrètement, hein, donc Arcos, tout ça, on a bien compris, mais concrètement, au départ, tu composes directement comme on l'entend là, ou alors est-ce que tu composes avec des instruments normaux, j'ai envie de te dire, et tu transposes ta partition ou je ne sais pas quoi dans Arcos oui. Comment... Je bosse sur le piano, sur mon clavier de commande avec un son de piano au départ pour trouver les idées. Ah oui, ok. Et puis après, je les rentre dans Arcos. Et par contre, pour l'intro, je vais quand même préciser que je n'avais pas compris qu'il y avait une intro comme ça, parce que j'ai composé sans avoir l'intro. Et quand j'ai vu l'intro, j'étais très frustré de ne pas avoir fait quelque chose qui soit synchronisé. Et qui évoquait davantage le bateau qui coule et tout. Mais bon, finalement, ça va à peu près ensemble quand même. Ouais, ça passe assez bien. Ça passe assez bien. Ouais, bravo à toi. Comment dirais-je, ces sonorités là, qu'on entend encore là, il y a une nouvelle musique là, qu'on est en train d'entendre. Ces sonorités, est-ce que c'est des contraintes pour toi ? Est-ce que c'est toi qui les a créées ? Est-ce que on crée des... Alors, je ne sais pas comment marche Arcos, mais tu crées complètement la courbe sonore du son. Sur Arcos, alors je ne sais pas, c'est Eric qui diffuse la vidéo, je crois. Hein. Ouais, on regardera tout à l'heure comment ça marche. C'est ce que j'allais te demander, c'est plus facile pour parler. On en reparlera tout à l'heure, alors. Sur Arcos, en fait, tu peux importer des sons d'autres créateurs et... Il y a des sons que j'ai importés d'autres musiques, que j'ai un petit peu modifiées, parce que c'est vrai que des fois, ce qu'on appelle le sustain ou le release, la durée du son à la fin, ça peut être trop court ou trop long. Donc je modifie par rapport au projet en question.
Et puis voilà. Puis après, il y a des sons que j'ai créés moi aussi. Mais après, c'est des sons très classiques de CPC. Je ne vais pas trouver. Si on va loin dans le sound design, après, ça peut sonner un petit peu bizarrement. Et pour, pour Octopus, je trouvais que ça n'allait pas. Il fallait rester sobre, on va dire. D'accord. Là, on a une nouvelle musique hein, qui est chouette aussi, comme tout. Hein. On a vraiment un petit côté. Alors, je vais peut-être dire une connerie. Un petit côté Monkey Island, quand même, dans les sonorités. Ouais, ouais, ouais. Et mais puis, bon. Dans la mélodie aussi, tu vois, c'est. Dans la mélodie. Le caribéen, quoi, voilà. C'est ça. Ça s'est réussi, en tout cas. Merci. On continue. On voit les scores. Là, Titan est premier, comme par hasard. Comme et par hasard. Ouais, c'est vrai. On l'a oublié. Ah, c'est on l'a oublié. Tu seras dans le prochain jeu, promis. Les premiers, hein, tu seras dans la prochaine version avec la musique qui est synchronisée avec le bateau qui coule. Voilà. Donc, effectivement, il a raison, Johan. J'avais fait l'introduction dans mon coin et j'ai carrément zappé qu'il aurait pu faire une musique adaptée à cette introduction. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Dans les high scores aussi. Ouais, ouais, ouais. Et bonjour Ezekiel, au passage. Est-ce qu'on le voit ce jeu un petit peu? Alors, vous avez gardé le concept du game, du game A et du game B. Jusqu'à quel point vous êtes fidèle sur cette version d'ailleurs, avant de commencer à jouer? Alors, malgré le fait qu'elle soit complètement redessinée, en fait, Bruno a fait en sorte de rester très fidèle. Il a mis une difficulté un peu plus faible parce que moi, je trouvais qu'elle était un peu élevée dans le jeu original. Je suis un très mauvais joueur. Je suis comme toi, David. Donc voilà. Mais sinon, il est resté très très fidèle au niveau des mouvements des tentacules. Voilà, c'est assez fidèle. Je pense que les gens qui ont connu la version originale sur Game & Watch ne seront pas, voilà, sont pas dépaysés. Donc là, on a la version... on va lancer une partie. Hein. Donc, entre le Game A et le Game B, il y a simplement une vitesse qui augmente au niveau des tentacules. Voilà, c'est un peu plus difficile. Donc là, on peut voir, on a le code... Maxit Kukulkan, donc Maxit a apporté une aide à Kukulkan. Bon, les graphismes, c'est moi, et la musique plus sophonique. Allez, c'est parti, game A. Donc le petit crabe là qui se déplace, c'est une idée de Kukulkan. Alors on se retrouve sur l'écran, on reconnaît Octopus, complètement recoloré. Là j'ai mon petit personnage que je vais pouvoir faire bouger. Donc là, il descend, vous voyez, je le manipule avec les touches. Le but, ça va être, comme dans Game & Watch original, d'aller chercher les pièces du trésor. Donc là, je me suis fait avoir. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on y va. Donc là, hop, hop, je récupère. J'essaye de ne pas me faire toucher. Je remonte et on voit mon score qui augmente. Allez, c'est parti, on continue. Alors, on entend dans la musique des petits glitches. Ça vient de mon émulateur. Hein. C'est pas, je sais pas si vous les avez. Parfois, on a des petits ralentissements. C'est la diffusion, voilà. Ça va. Bon, je suis très très nul, va falloir que je m'améliore là, parce que vous n'allez pas voir grand-chose sinon. Allez, c'est parti, je me concentre. Je récolte, hop, 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 allez. Donc là, les but... Les musiques sont vraiment cool. Hein. Ah oui, les musiques, il y a une ambiance sonore. C'est cool à la fois, et enfin, c'est vraiment... C'était la musique qui était vraiment adaptée à ce genre de gameplay, on va dire. Ouais, mais ça change beaucoup de choses par rapport à la version... ça apporte, les couleurs et la musique apportent vraiment énormément par rapport à la version première du monde. Bon là, je suis mort, hein. J'ai joué comme un pied, comme un poulpe. Voilà, donc là, il y a le game over. On voit les petites bulles dans le game over. Ça aussi, c'est une idée de Kukulkan. Je trouve ça sympa. Ouais. Et là, très bien foutu. Hop, on va passer au high score. Alors, encore une petite prouesse. Je ne sais pas si on peut appeler ça une prouesse, mais une nouveauté. Il était très très rare dans les jeux Amstrad de pouvoir sauvegarder son score. Ben là, c'est possible. Donc, il suffit de taper son nom. Donc, on va rentrer. Allez, on va rentrer Pulsophonique. Comme ça, il aura son nom dans le score. Donc, enfin. Je choisis. Enfin, la gloire. Hop, donc je me déplace toujours avec les touches. Hein. Théo, il est là. Ah, oh, mais Pulso, ça suffit. Je sais pas si tout va rentrer. Attends, je vais tout mettre. Hein. Pulso, faux. Ça rentre pas. Ah, ça va pas rentrer.
Voilà pourquoi on n'a pas mis ton nom. Bah, c'est pas grave, tu seras plusophone. C'est pour ça, voilà. Tu seras plusophone que. Alors, j'adore cette chanson. C'est peut-être le module que je préfère. Donc, après le test, on vous les fera donc tout écouter. Mais j'adore celle-ci. Elle est douce, elle est parfaite. On sent bien qu'on est décédé quand même. Oui, on est un peu mort. On n'est pas en forme. Regardez, Plusophonique est premier. Quelle vengeance. Donc, ça, c'est, hein, alors ça, c'est la vengeance. Ouais. On peut voir qu'il a 32 points et qu'il l'a réalisé en game A, parce qu'il y a un petit A qui s'affiche en face. Voilà. Et donc ça reste ad vitam aeternam sur la disquette. Quoi. Oui, c'est ça. Ça s'enregistre. Et on peut faire un reset. Voilà. En bas, à droite, on peut voir R for reset. Voilà. Et donc on peut jouer comme ça indéfiniment. Alors pour le fun, on va faire un game B si vous voulez, mais vous allez voir, je suis encore plus mauvais. C'est parti. Allez. Vous allez voir, les tentacules vont beaucoup plus vite. Déjà là, ça se voit. Et au fil du temps, au fil de la partie, ça augmente la vitesse. Hop hop hop. Je vois que je vais être meilleur. Est-ce que là, on a 16 couleurs, point barre, là. Il n'y a pas de prouesse technique là, qui font qu'on en rajoute plus. Ah, je me suis fait avoir. Oui, il y a 16 couleurs, là. Il y a 16 couleurs, pas plus. Alors, on aurait pu en mettre un peu plus dans le ciel, parce que depuis quelque temps, Kukulkan excelle dans les rasters. Mais bon, à cette époque-là, bon, on n'a pas fait. Hein. Regardez, je suis meilleur. Vous avez gardé effectivement le gameplay original, ce qui fait qu'en fait les petits bonhommes ils se déplacent de façon pas fluide, j'ai envie de dire, mais c'est volontaire. Hein. C'est-à-dire qu'on garde l'idée que c'est un écran LCD qui affiche des personnages à des positions prédites. Vous auriez pu ou vous auriez eu envie de faire une animation plus classique ou ça cassait trop le gameplay peut-être. Oui, moi j'avais envie. Mais c'était compliqué à l'époque. Alors attends, je vais quitter le jeu. Hop, je vais revenir sur ma trogne. Hop, allez, je quitte le jeu. Tac. Et tac. Voilà. Donc oui, effectivement, moi, à l'origine, j'avais pensé, donc pour remettre dans le contexte, je ne sais pas si tu te souviens, mais Octopus, à la base, c'était pas avec Bruno que je le développais, c'était avec un autre programmeur. Et à la base, moi, j'avais pour consigne de vraiment coller au jeu original, même dans la version Deluxe. Et par la suite, j'ai eu envie, oui, de faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire un personnage qui marcherait vraiment, qui serait bien animé et tout. Mais oui, ça demandait énormément de sprites, de graphismes. Et là, pour tout vous dire, la disquette de cette version est pleine à craquer. C'est-à-dire qu'on est à ras-bord. Kukulkan a dû faire des musiques, ça, je suis sûr. Tout faire rentrer. Ouais, les musiques, elles ont tout bouffé. Alors, on avait donné carte blanche à Johan pour cette fois-ci. On lui a dit, vas-y, toi, plaisir. Il y a un peu de place. Mais bon, tout est plein. GX4000, par contre... Je me trompe pas, Eric. Par contre, la version GX4000, il me restait quoi, 8 kilo-octets de libre, il me semble. Ouais, très peu. De grosses contraintes pour jouer. Ah ouais, putain. Ah ouais. 8 kilo-octets. Bah, en fait, la GX4000, c'est un 464, en fait. Hein. Il n'y a que 64 kilo-octets de RAM. Alors que le 628 Plus, lui, il a 128K, donc le double. Donc là, on peut en mettre un peu plus, le double. On a plus le phonique qui est tombé à la renverse, du coup, mais il va oui, non. Je m'inquiète pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas pu faire une version un peu plus animée. Je me suis vengé dans l'intro, tu as vu, c'est un peu plus animé. Ouais. Dans l'intro. Ouais, mais après, ça aurait certainement changé aussi la donne dans le gameplay, parce que c'est vrai qu'il aurait fallu que les animations soient vraiment synchronisées parfaitement avec les déplacements du personnage pour se retrouver dans le bon timing, au bon endroit. Donc effectivement, je comprends aussi les contraintes. Mais c'est vrai que c'est la... Enfin, une fois qu'on y joue, en vérité, la problématique ne se pose plus. Mais quand on te regarde, c'est vrai que c'est peut-être choquant. Enfin, choquant. Les gens se disent peut-être, oh, donc, ils ne sont pas fait chier sur les animations. C'est saccadé. C'est saccadé. C'est vraiment pour aussi respecter hein, ce gameplay du Game & Watch, où c'était vraiment des positions prédites sur un écran LCD. Et ben, si vous connaissez le principe du LCD, hein, c'est des zones qui s'allument ou qui ne s'allument pas, finalement. On ne peut pas choisir laquelle. Finalement, il y a eu...
c'était l'ancêtre de l'encre électronique qui aujourd'hui s'affiche où on veut, mais voilà, à l'époque c'était des positions prédites, elles s'allumaient ou elles s'allumaient pas. Donc vous avez respecté ça et c'est très chouette. Le jeu est très beau évidemment. Alors ouais, bon, j'espère que Pulso va revenir. En tout cas, bah bravo déjà, j'ai envie de vous dire. Jeu disponible quand, où, comment, pourquoi, à quel prix? Alors, très très cher. Très trop cher. Donc le jeu est dispo depuis, alors ça c'est pas vieux, hein, ça fait quelques semaines qu'il est sorti. Il est gratuit. Il est sur sa page officielle, on peut le télécharger, le jouer sur un émulateur, sur un véritable Amstrad Plus, non, je dis n'importe quoi, Amstrad Old, pardon. Donc un 6128. Plus aussi, du coup, non? Plus aussi, oui, puisque quelqu'un a, je crois que c'est Riti, a sorti le CPR, donc la version cartouche, donc sur un plus aussi. Il faut bien, par contre, avoir 128 Go de RAM. Je vous expliquerai pourquoi après, là, je vais vous montrer. C'est un jeu donc qui utilise les 128 Go du 6128. Hein. Sur un 64K, ça marche pas. Donc sur un Amstrad CPC 464, pas moyen. Sur une GX 4000, pas moyen. Mais sur tout le reste, c'est bon. Voilà, donc c'est dispo, je te laisserai mettre le lien. On le télécharge où? Alors, c'est sur le lien, donc c'est sur Amstrad Museum. Est-ce que tu as le lien? Tu n'as peut-être pas le lien. Ah, revoilà. Amstrad Museum. Le retour. Ah, je croyais que c'était sur CPC Power. Est-ce que vous m'entendez bien? On peut aussi sur CPC Power, bien sûr. Vous m'entendez bien? Ça grésille. Ça grésille, oui. Ah, ça grésille. Comme tout à l'heure, bon, je déconnecte et je reviens. Excusez-moi. Et si ça se trouve, c'est moi que vous allez perdre sous peu, parce que là, il y a mon téléphone qui est en train de me dire qu'il me reste 15% de batterie. Mais bon, ça devrait faire jusqu'au bout. Ça devrait faire jusqu'au bout. C'est pas possible. Donc, c'est incroyable. Hein. Des vrais amateurs, hein, ces gens-là. Mais qui invite-tu? Qu'est-ce que je vais faire avec vous, moi, n'importe quoi. Oui, donc, je te laisserai mettre le lien. On peut télécharger effectivement sur CPC Power ou sur la page officielle sur Amstrad Museum. Il y a Margounette qui nous copie-colle des titres des prochains articles de Froggy's Delight. Là. C'est du spoil, elle s'est trompée de copier-coller. Donc dimanche, vous aurez un article de Kin Memorial. Je vous ai mis le comble du musicien depuis Howard Song. Bah, un peu, ouais, un peu de saut là. Alors voilà. C'est un comble. Ça grésille toujours. Ça grésille. Amstrad Museum, emufrance.info. Ouais, ça grésille. Voilà, et si vraiment. Mais ça grésille en permanence. Ouais, c'est ça. Voilà, si vous êtes des grosses feignasses et que vous avez vraiment besoin que d'un seul clic, je vous mets le lien directement sur la page d'Octopus. Qui contient. Alors, si tu veux. Et ses assets, comme d'habitude. Hein. Bah oui, il y a tout. C'est tout gratuit. C'est, vous téléchargez, vous faites votre propre version, vous en faites ce que vous voulez. Vous voulez réutiliser ces graphismes ailleurs, libre à vous. C'est donné, c'est gratuit, on s'en fout, on s'amuse et c'est le principal. Voilà. Et donc, si on a envie de refaire un jeu nous-mêmes, on prend les assets et puis on le fait. Quoi. Et voilà, bah, sur une autre machine, il n'y a pas de souci. Alors, si tu veux, David, on peut revenir sur, tant que j'ai un peu de batterie, on peut revenir sur le développement. J'ai quelques petits documents qui peuvent peut-être vous intéresser, si ça te dit. Ouais, je bascule là-dessus et je vous explique. Bascule. Allez, hop, c'est et parti. Et Pulso est revenu et ça grésille pas. C'est la fête. Ah, super. Alors, hop, je marque ça. Que voilà. Que ça. Alors, là, c'est beau. Hein, c'est vraiment pour vous donner une idée de comment on travaille. Ah bah si, tu grésilles en fin de compte. Ah, ça grésille, ouais. Donc, regardez bien cette page. Vous ne la verrez pas longtemps. Je vais même vous en montrer une seconde. Voilà. Donc, ces deux pages, elles sont extraites, des 40 pages que Kukulkan a rédigé avant de se lancer dans la programmation. Donc en fait, c'est la version papier. Génial. Du programme. Hein, donc là, c'est un rush, comme on dit, hein, c'est un document de conception. Alors, ne me demandez pas à quoi ça correspond, je n'en sais fichtre rien. Je sais juste que dessus, il y a des adresses, on voit des E62C3, c'est une adresse, enfin bon, voilà. Donc, Kukulkan saurait s'y retrouver. Pour moi, c'est du chinois, mais voilà. Donc, ça, c'est un document de conception. Et en voici un deuxième. Et sur le deuxième, on peut voir tout en haut les tentacules. Tu les vois, David? Avec les segments et certainement la façon dont il va les animer, etc. C'est génial. Exactement. Mmh. Et donc, dessous, on peut voir les animations parce qu'il faut vous le dire, il a visionné une vidéo YouTube
de gameplay du jeu original, donc du Game & Watch original, pendant des heures et des heures et des heures. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il l'a regardé pendant 40 heures. Il me corrigera certainement si je dis une bêtise. Mais 40, il l'a regardé mais des heures et des heures avant de pouvoir retranscrire sur cette feuille papier les véritables mouvements. Donc c'est vraiment à l'œil qu'il a fait ça. Hein. Donc voilà. Donc ça, ce sont les deux documents extraits de son cahier de 40 pages. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Alors là, c'est pour vous montrer un petit peu la différence entre la version old school, en mode 1-4 couleurs qu'on avait fait sur GX4000, et la version voilà, qui est à gauche, et à droite, la version 6128. Donc, côté design, ben, voilà, on aime ou on n'aime pas, on préfère celle de gauche ou celle de droite, voilà, peu importe. Moi, c'est au niveau des couleurs, je voulais vous montrer. On voit bien qu'à droite, il y a beaucoup plus de couleurs. Effectivement, on en a 16. Et à gauche, on n'en a que 4. Donc, sur celle de gauche, j'ai été contraint de rester sur des teintes un peu sépia, qui font un genre de dégradé marron. Par contre, on gagne en finesse à gauche, puisqu'on a des pixels bien carrés, alors qu'à droite, on a des pixels rectangulaires. Je vais essayer de zoomer. Je pense que je peux zoomer. J'y vais. Hop, je zoome. Ah oui. Ça va, parfait. Tu vois ? Donc là, on voit que les pixels sont bien carrés. Vous voyez, j'ai vraiment zoomé ici. Voilà. Alors que, à droite, ça a bugué. Ça a bugué. Je reviens. Voilà. Je reviens. Vous voyez, c'est bon ? Ouais, on voit. Ouais, donc je recommence. Voilà, j'avais double-cliqué. Voilà. Donc je disais, à droite, ils sont rectangulaires. Je sais pas si vous voyez. Ah ben, on voit, oui. Voilà. Donc, ça, c'est les. Et il y en a deux fois moins, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que... Ah, ouais, oui. Ouais. Il y en a deux fois moins en largeur. En largeur. C'est ça. D'où le rectangulaire. Parce qu'un pixel prend la place de deux. C'est ça. Donc là, toute l'astuce pour faire des graphismes à peu près potables, eh ben, c'est de composer avec les couleurs. Donc, on va faire en sorte de mettre des couleurs qui se côtoient. Qui permettent un petit peu d'effacer cet effet d'escalier qu'on a. Donc, c'est ce qu'on appelle l'anti-aliasing. Donc, l'anti-aliasing, on en fait beaucoup, beaucoup en mode 0, un peu moins en mode 2, hein, puisqu'on a la finesse qui est là, qui paye à ça. Voilà. Donc là, c'est le game over. Pourquoi alors, sur le game over, c'est plus flagrant que sur celle-là, mais enfin, pourquoi pourquoi, quelque part, tu as refait tous les graphismes et que tu n'as pas recolorisé simplement ce que tu avais commencé? Bon, alors ça, c'est simplement moi. C'est, voilà, j'adore créer du pixel art sur Amstrad. Donc, c'est simplement un délire de créatif, on va dire. J'aime bien repartir de quelque chose de zéro pour créer quelque chose de nouveau, en fait. C'est-à-dire que recoloriser quelque chose, c'est rigolo 5 minutes, mais bon, on a l'impression de faire deux fois la même chose. Moi, j'avais envie vraiment de partir sur quelque chose de nouveau et de refaire autre chose, quitte à faire moins bien, à la limite. Hein. Personnellement, je vous l'avoue, en regardant les deux écrans, je préfère la version de gauche, qui est pourtant moins colorée, mais je la trouve plus sympa, peut-être plus tatouage, je ne sais pas. Mais plus dark aussi, ouais. Ouais, mais bon, voilà, j'aime bien repartir de zéro et faire quelque chose de nouveau. Donc voilà, sur le grade, donc là, spoil alert, hein, vous voyez l'image de fin quand on finit le jeu, car malgré le fait que je sois vraiment nul au jeu, on peut finir le jeu. Il suffit de faire 999 points. Alors, Kukulkan y arrive, sans problème. Moi, je suis une vraie tâche. Si je dépasse 100, c'est déjà un miracle. Ah, mais voilà. Déjà, ouais. Bah ouais, il faut que je sois concentré. Vous avez vu tout à l'heure, à 32, pas terrible. Donc là, pour le coup, je préfère la version de droite, qui est plus colorée. Voilà, on distingue mieux les pièces, je trouve. Les pièces. Donc c'est pareil. Ouais. Voilà, les pièces, ouais, les joyaux. Donc c'est pareil. Hein, à droite, on a la version 16 couleurs. À gauche, la version mode 1-4 couleurs. Voilà la différence. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? Là, ça, c'est intéressant. C'est la version old school à gauche toujours et Deluxe à droite. Donc là, on a vraiment tous les sprites du personnage qui sont représentés un coup en version mode 1, un coup en version mode 0. Donc là, pour les créer, j'ai fait ce que tu as dit, c'est-à-dire que je suis parti de la version noir et blanc qu'on a, enfin noir et jaune à gauche, et j'ai recréé par-dessus, alors là je peux pas vous montrer, mais avec multipaint, j'avais deux
un peu à la manière de Disney à l'époque, c'est-à-dire que eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient deux pages pour animer un personnage, et puis toute allure, ils passaient de l'une à l'autre pour reprendre les traits de dessous. Ben, j'ai fait pareil avec Multipaint. On peut aussi passer d'un écran à l'autre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai redessiné par-dessus en colorisant. Donc là, je vais essayer de zoomer aussi. C'est parti. Hop, voilà. Donc, je vais même zoomer beaucoup. Voilà. Donc là, vous avez les personnages. On peut voir que donc, les pixels sont bien carrés. Et puis, de l'autre côté, ben, j'ai recolorisé. Donc, j'en ai profité. Je me suis dit, tu as de la couleur. Autant faire en sorte de bien distinguer toutes les parties du corps. Donc, il a un home, je ne sais pas comment ça s'appelle, un casque qui est un peu doré. Un scaphandre, non un scaphandre, voilà, un peu mordoré, un peu cuivre. Il a un t-shirt qui est un petit peu rose et il a des chaussures plus marron. Voilà. Donc, ça permet d'un petit peu mieux distinguer toutes les parties du personnage. Voilà. Mais tu t'en sors bien parce que, encore une fois, on va le répéter, mais la résolution est deux fois moindre finalement. Et ouais. Les personnages sont quand même tout aussi détaillés. Hein, donc... Merci. Bah, toute la difficulté, c'est de placer le bon pixel là où il faut. Un exemple. Je vous montre un zoom. Jacques, j'avais une petite question. Oui. Je t'écoute. Ouais, pourquoi dans les bonhommes qui sont les réserves de vie là-haut, il y a le deuxième bonhomme en partant de la gauche qui a le bras un peu levé. Pourquoi tu t'es enquiquiné Ah, je vais t'expliquer. Bonne question. Je vais t'expliquer. Avant tout, je voulais vous montrer, voilà, par exemple, ce pixel blanc au milieu, là celui-là, là, qu'on voit. Ben, en fait, il faut le placer au bon endroit. Sinon, ben, l'effet de brillance ne fonctionne pas. Donc, oui, la difficulté, en fait, c'est qu'avec des petits personnages, vous voyez, je vais redézoomer, voilà. Avec des personnages aussi petits, ben, faut placer vraiment le pixel au bon endroit, sinon ben, ça ne rentre pas bien. Alors, je fais comme je peux, hein, voilà. Donc, pour répondre à Pulso, pourquoi le personnage, il a le bras levé, c'est ça, hein ? Mm-hmm. Ben, c'est qu'en fait, dans le jeu, je ne sais pas si vous avez vu, au moment où je remonte dans le bateau et que je récupère quelques pièces dans mon sac, quand je remonte dans le bateau, il soulève son sac, il le montre. Vous vous souvenez pas ? Ouais. Et ben voilà, c'est donc pour ça. Donc c'est une frame d'animation en fait, c'est une étape de l'animation où il lève le sac. J'ai bien D'accord, répondu ou pas du tout ? Ouais, mais c'est pas satisfaisant quand même parce que c'est ça représente une vie, donc pourquoi il est pas comme les deux autres ? Ah oui, non, alors ça c'est juste parce que je l'ai placé là. Hein. Ça, c'est vraiment parce que je l'ai placé là. Ouais, ouais. Okay. Non. C'est, ouais, non, c'était pour les besoins de la vidéo. Ah ok. Okay. Mais tout le reste, alors ça mis à part ce petit personnage, ça grésille, ouais. Ouais, ça grésille, ouais. Mis à part ce petit personnage que j'ai rajouté là, tout le reste est positionné exactement où il faut dans le jeu. Voilà. Alors, on va regarder ça. Donc là, vous avez vraiment le zoom ultime, maximum, sur les deux personnages. Donc, old school avant et deluxe après. Donc là, voilà, c'est vraiment du pixel posé un peu là où je peux. Et puis voilà. Ensuite, on va terminer sur, je pense qu'on... Oui, voilà, on arrive sur la fameuse introduction. Je vous en ai parlé tout au début de la vidéo. Donc, c'est la fameuse image où on peut voir le logo de la Team Galaxy, où je vous disais, normalement, ça, sur un Amstrad CPC old school, normalement, il n'y a que 4 couleurs. Or, on en voit beaucoup, beaucoup plus. En fait, on en voit 22. Alors, on en voit 22, on pourrait les compter, mais il y en a vraiment 22, faites-moi confiance. Donc, comment Kukulkan a pu réussir cette prouesse ? Eh bien, je vous l'explique ici. Alors, attention, je vais zoomer parce que là, vous voyez rien. Donc, on va zoomer. Voilà, c'est tellement petit. En fait, Kukulkan a mis à disposition un petit utilitaire qui m'a permis de composer l'image avec autant de couleurs. Donc, je vous explique comment fonctionne un raster. J'espère que je ne vais pas dire de bêtises parce que c'est très technique et moi, je ne suis pas du tout technique. Là, je ne fais pas de programmation. En gros, pour résumer, sur Amstrad, un écran mode 1, c'est 320 par 200 pixels en 4 couleurs. Voilà, point. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Il y a 4 couleurs et c'est définitif. Donc, on ne peut rien faire d'autre. Mais par la programmation, on arrive à donner 4 couleurs différentes
par ligne. La seule contrainte, c'est qu'il faut conserver une couleur par ligne qui est identique à la précédente. Vous avez compris ou pas? Ah oui, en gros, c'est clair, c'est pas facile à expliquer. En gros, par ligne, on affiche quatre couleurs, mais il faut qu'à chaque fois, il y ait une de ces couleurs qui soit la même que la précédente. Voilà, non, j'ai dit une bêtise, il faut qu'il y ait une couleur qui soit identique à la ligne précédente. Donc moi, je ne me suis pas embêté, j'ai fixé la couleur noire identique à toutes les lignes. Donc c'est pour ça que le fond de ce logo est noir, en fait. Donc je ne me suis pas embêté, je me suis dit, voilà, tu fixes cette couleur noire à toutes les lignes, et ensuite, tu auras trois autres couleurs à utiliser à volonté, comme je veux, par ligne. Donc, Kukulkan m'a mis à disposition un logiciel qui me permet de déterminer combien de couleurs j'ai par ligne, et si j'ai bien que quatre couleurs, et donc trois qui ne sont pas identiques à celles d'avant. C'est compliqué à expliquer, mais en gros, on peut voir donc l'étape 1, l'analyse de l'image. Donc ça, c'est mon image que j'upload sur son utilitaire. Et donc là, vous voyez, la ligne 0, j'ai que du noir. Il n'y a qu'une couleur différente. Donc effectivement, la ligne 0, c'est celle qui est tout en haut. Je ne sais pas si vous voyez ma petite main là. Vous la voyez? Si, si, ouais, on voit tout. Ouais. Mmh. Donc la ligne qui est tout en haut, voilà, la ligne 0, bah, effectivement, et on n'a que du noir. Si on descend, on a quelques lignes de noir. Donc là, jusqu'à la ligne 6, on a du noir. En ligne 6, on a du violet. Effectivement, la première petite étoile qui est là, je zoome, eh bien, hop, le bout de la branche est violet. Eh bien, l'utilitaire l'a détecté. Et ainsi de suite, il va compter comme ceci toutes les couleurs qui sont sur les lignes. Et moi, je vais savoir à quel moment je dépasse ou à quel moment je peux en rajouter, par exemple. Ici, au début, j'aurais très bien pu ajouter quelque chose avec trois autres couleurs. Les couleurs de mon choix. C'est-à-dire, en haut, là-haut, j'aurais pu mettre une autre étoile jaune, par exemple. Il n'y a pas de jaune ici. Voilà. Donc, c'est un super utilitaire. Et donc, ici, par exemple, où j'ai quatre couleurs en ligne 24, eh ben, j'étais limité. Je ne pouvais pas ajouter autre chose. Donc, par exemple, en ligne 24, si je remonte, je devais être là par là. Donc là, j'ai par exemple du blanc, du noir, du bleu et du rose. Je ne pouvais pas mettre autre chose. Donc, l'astuce, c'était de mettre ici une étoile rose qui reprenait la couleur de la ligne. Donc voilà, il y a plein de petites astuces de colorisation, j'ai envie de dire. Et au final, ça nous permet d'obtenir l'écran que vous avez vu. Donc ça, l'étape 2, c'est Kukulkan qui la génère. Ça lui, alors c'est un peu technique aussi. Ça lui recrée l'image qui est ici, mais avec uniquement quatre couleurs à la fois, mais les mêmes quatre couleurs. Bon, ça, c'est pour la programmation. Et ensuite, ici, à l'étape 3, ben, il a le code de toutes les couleurs. C'était compliqué? Est-ce que j'ai été bon dans l'explication ou pas du tout? Si, si, c'est clair, oui. Ça va? Donc, en c'est gros, clair, pour résumer, cette image... Oui, dis-moi. Ben, ça peut se faire que sur des images statiques, j'imagine. En jeu, ce n'est pas possible parce que ça prendrait trop de temps à la machine de remplacer les couleurs. Oui, je suppose aussi. On a vu qu'on pouvait animer les choses dans l'écran du menu, tu te rappelles, dans Octopus Deluxe, ouais. On voyait les rasters tourner. Donc, on peut changer les couleurs. Là, par exemple, dans Team Galaxy, on voit qu'il y a des lignes de couleurs. Je suis même sûr que Kukulkan aurait pu les faire bouger. Voilà. Mais bon, là, ce n'est pas le cas. Donc, voilà. C'est ce qu'on retrouve finalement dans des démos parfois. Dans des démos, mais faire une démo et faire un jeu, c'est pas pareil parce qu'il y a quand même dans le jeu du contrôle à avoir sur ce qui se passe à l'écran et du coup ça prend de la puissance. Voilà, du temps machine. Cette histoire de couleur commune, je crois que c'est ce qu'on retrouve aussi sur les Commodore 64, il me semble, quand il y a du graphisme. Entre deux sprites, il faut qu'il y ait une couleur commune, il me semble. Ah d'accord. Alors là, le color cache, c'est peut-être ça. Je sais pas. Alors, je ne connais pas bien le Commodore 64 parce que c'est une machine de bouse. C'est pas ce que tu disais, David, au début. Une machine, c'est nul, tu disais, je crois. Non, c'était pas. Non, jamais. Je parlais d'Amstrad. Non, c'est très bien. Non, le Commodore aussi est très bien. Une palette un peu plus terne, mais qui permet de faire de jolies choses aussi. Mais avec beaucoup plus de contraintes que le CPC, effectivement, qui a mis le doigt sur quelque chose plus tôt. C'est vrai. D'ailleurs. Pourquoi pas une version d'Octopus sur Commodore 64, ça vaudrait le coup. Pourquoi pas? Rastafari Yeman, nous dit Synharmonix. Oh, joli jeu de mots. Mais là, je vous montre quelque chose pour vous dire jusqu'où Kukulkan va dans le détail, dans le niveau de détail. Il me dit, tu sais que le jeu, il ne fonctionne que sur les machines
équipé de 128K. Je dis oui. Il me dit, bah, j'ai une idée. Il y en a qui vont probablement essayer ça sur GX4000 qui n'a que 64K ou sur CPC Plus, sur 464+. J'ai dit oui. J'ai dit, bah, on mettra un petit mot. Non, ça va pas. Il faut 128K. Il me dit, non, on va faire mieux. Il m'a dit, fais-moi une image. Donc, OK. Donc, en gros, si tu essayes le jeu sur un 464, ben, voilà ce qui se passe. Il y a un écran qui s'affiche et qui dit, bah, désolé, petit marin, 128K, ça ne va pas suffire. Enfin, 64K, ça ne va pas suffire, il va falloir 128. Mmh. Voilà. Sympa, sympa. Bah, bravo pour toutes ces... Ah, c'est joli, ça, c'est quoi? C'est la jaquette? Ça, c'est la jaquette, oui, parce que sur le site, vous pourrez, si vous avez envie de vous faire votre version physique, vous pourrez aussi imprimer la jaquette. Donc voilà, la petite jaquette qui est au format d'un boîtier cristal. Superbe. Qui a fait l'image? Alors, l'image, réellement, je l'ai trouvée sur Internet. Hein. Je me suis embêté. Ah, je l'ai trouvée sur Internet, bravo. Et j'ai modifié les couleurs. Et puis, bon, voilà, j'ai un peu mis en forme. Mais l'image, ouais, je l'ai trouvée sur Internet. Là, autant en pixel, j'arrive à faire 2-3 trucs, autant en véritable graphisme sur Photoshop. Non. Laurent voilà. Dit que Team 17, et c'est vrai, faisait ce truc-là de mettre une image pour dire, eh, dis donc, il te faut un méga, t'as que 512K. Tu peux pas jouer ça, c'est sympa parce que c'est toujours aussi frustrant, mais au moins on y considérait quand même, quoi. Ouais. Et voilà, puis il faisait ça aussi pour les changements de disquette. Quand il fallait insérer la disquette 2 ou 3 ou 4, on avait aussi un petit écran. C'est pas tout le monde qui le faisait, c'est vrai, c'est vraiment sympa. Il y avait Sylmarine qui faisait ça aussi. C'est sympa. Voilà. Donc je vais quitter ma petite page. Ces explications, ouais, bouge pas. Hop, voilà. Hop. On revient. Alors, Pulso, est-ce que tu grésilles toujours? Parce qu'on aimerait bien parler un peu musique, il nous reste 30 minutes ensemble. Je coupe le micro cette fois, du coup, mais est-ce que le grésillement est supportable? Parce que je tente de déconnecter et reconnecter à nouveau. Je veux bien que tu te déconnectes, genre tu quittes complètement ton navigateur web sur ton téléphone et tu reviens. Ouais, je veux bien. Parce qu'on va parler un peu musique, là, ce serait intéressant. Que, ouais. À tout de suite. Ouais, ça marche. À tout de suite. On a Capitaine Surcouf avec nous qui se fait agresser par un requin. J'arrive pas à lire mon téléphone. Arrive, t'inquiète. Eric, oui, tu as préparé quelque chose pour parler un peu aussi du travail sur le son. Est-ce que, entre temps, oui, pendant que Pulso revient, tu as quelque chose à ajouter sur le reste du jeu à part le son? Non, là vous avez Achetez-le, achetez-le, c'est gratuit. Donc, achetez-le, c'est gratuit, et quand c'est gratuit, c'est dans mes prix. C'est pas cher. Et en fait, bah oui, moi juste encore remercier une fois de plus toute l'équipe qui a super bien travaillé, Cuculcan au code, Maxit qui a aidé, voilà, Pulsophonique qui a fait des symphonies extraordinaires. Et ce qu'on peut faire, c'est passer au son maintenant. On pourrait écouter les musiques de Pulso, tant qu'il me reste un peu de batterie. Je rappelle aussi, tiens, tant qu'on y est, qu'à 12h30, on se quittera, mais on jouera bien évidemment, vous savez à quoi, hein, à Marbles on Stream pour gagner fin novembre, éventuellement un petit coffret Zelda. Je vous le rappelle, voilà, ça c'est à gagner. Et voilà, on démarre les parties à partir de 12h30. Voilà. Ça va pas mieux, toi. Là, c'est un peu Napoléon, là, pour le coup. Bonaparte. Hein? Ah oui, on m'entend plus. Si, on ne dirait pas plus. Plutôt. Si. Assassin's Creed, non, un peu, non. Tu sais, la version. Non, pas un du Black tout. Flag, Assassin's Creed. Ouais. Ouais, hein? Assassin's Creed, ouais. Mais de chez Wish, quoi. Wish, voilà, oui, Wish Creed. Assassin's Wish. Voilà. Bon, bref, tiens, comme ça, c'est pas mal aussi. Tiens. Voilà. Ah, comme ça, c'est bien, ça te va bien en plus. Bien, hein. Ça me paraît tout à fait adapté à ta personnalité. super cadeau, mais ouais, c'est normal, bien sûr, c'est un super cadeau. Qu'est-ce que tu crois? On recule devant rien chez Fruits Delight. Pulsophonique, hein, qui est musicien de son état et professeur de musique, hein, entre parenthèses. Oui, oui. Il nous entend parce qu'il a aussi un retour sur son ordinateur, mais sur son ordinateur, il n'a pas de son. Ni de caméra d'ailleurs. Donc, Est-ce que tu veux qu'on passe aux musiques? Ah regarde, il va arriver. Bah on va pas, ouais. Oui. C'est dommage qu'il soit pas là par contre, mais. Bah oui, on va.
pour en finir avec toi précisément, est-ce que tu travailles sur d'autres graphismes pour d'autres projets là? Oui. Alors non, je d'abord, je vais te parler d'un truc que j'ai vu passer sur Facebook, mais ce serait tellement magnifique. Lotus. Oui. Ah, Lotus. Lotus, oui, tu avais passé un écran. Hein. Ouais, Lotus non. Esprit, Turbo Challenge. Oui. Alors ça, c'est un doux rêve. Non, en fait, c'est tout bête. Je me suis amusé une journée, j'avais un peu de temps à perdre. On va dire, sur l'impulsion de Vespertino, tu sais, Vespertino, le projet qui est en cours actuellement, fait par Batman Group, qui est un jeu de voiture. Ah, revoici Pulso, qui grésille toujours. Est-ce que ça marche grésille toujours bon, c'est pareil. Non, c'est pareil. Mieux. Écoutez, je vais chercher le MacBook de ma femme, si elle veut bien me prêter. Ok, bien. Tout de suite. Le mien, on verra qui porte ta culotte. C'est pour une demi-heure. C'est non, non, non. À tout de suite. Ok, à tout de suite. À tout de suite. S'il revient sans MacBook, on verra qui porte la culotte. Donc, ouais, c'est risqué, hein, c'est risqué. Est-ce que tu as cette image là, sous le coude de que tu as faite? Oh là là, oui. Alors attends, bouge pas, je vais aller la chercher. Là, je sais pas ce que tu vois à l'écran, mais je vais aller la chercher. Là, je vois ton. Moi, je vois ton bureau, mais je suis seul à le voir pour l'instant. Alors attends, ah, c'est bien, parce que c'est vraiment le bazar. Alors attends, je vais te la trouver. Pour les amoureux des jeux de voiture, hein, évidemment, dans notre jeunesse, on a joué à un jeu qui s'appelle Lotus Esprit Turbo Challenge, qui était fantastique sur Amiga notamment. Et il était sorti sur Amstrad pour de vrai, en quatre couleurs, c'est ça, en mode 1. Oui. Et tu t'es amusé à refaire une image... dans les conditions du mode zéro, c'est-à-dire comment aurait été le jeu plutôt si on avait fait un petit peu d'effort sur les images. J'y avais joué quand j'étais petit, nous dit Sanharmonix, ce qui nous met un coup quand même, parce qu'on était plus petit, déjà, moitié adolescent. Voilà. Voilà, j'y suis. Tu la vois? Hop. Pas encore. Voilà. Tu peux zoomer peut-être. Ouais, je vais zoomer. Donc, il va y avoir un petit peu d'anti-aliasing, peut-être. Ouais, parce que quand on zoome, il aime pas trop quand on zoome. On a quand même l'idée. J'aurais dû vous montrer aussi l'image originale du jeu original. J'ai pas pensé. Pour voir la différence. Ouais. Tu veux que j'aille la chercher? Si tu l'as, ouais. Allez, je vais la chercher. Tu vas la chercher? Bon, ok. Ouais, je vais la chercher. J'espère que je l'ai. Oui, je l'ai. Oh, je l'ai. Bouge pas. Tac, 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 tac. Allez, voilà. Hop. Voilà, donc ça, c'est le jeu d'origine, si je puis dire. Voilà. Ah, d'origine tout court, c'est pas si je puis dire. Donc sur Amstrad, qui est déjà pas trop moche, hein, parce que c'est du mode. C'est joli. C'est assez fin. C'est plutôt joli. Et ils ont gardé. Alors, ils ont gardé le split screen parce qu'il y avait cette notion de jeu à deux, mais qu'il n'y a pas sur Amstrad, hein, où je me trompe. Non, c'est juste pour, je pense, voilà, faire joli et surtout gagner du temps machine, parce que la fenêtre est très réduite. Voilà, sur Amiga, on a bien ce speed screen, mais on peut jouer à deux. Voilà, c'est ça le truc. Bah non, ce ne sera pas aussi jouable, évidemment, mais c'est logique, Laurent, mon petit bonhomme, c'est du 8 bits. Et, oui. Et donc, toi, tu t'es dit, je vais réinterpréter ces écrans dans mon rêve. Voilà à quoi j'aurais aimé que ça ressemble. Voilà, en mode zéro, donc avec 16 couleurs. Donc je vais vous montrer. Hop, donc vous allez voir toutes ces images. Donc là, la vraie réinterprétation de départ, c'est celle-ci. Voilà, je suis parti là-dessus. Je vais zoomer. Et j'ai donc redessiné. Alors, pas tout. Je vais rendre justice à ce petit arbre-là qu'on voit à gauche. Bouger, ouais. Ainsi que celui de droite, là. C'est piqué de Vespertino. Je l'ai modifié. Hein. J'ai mis un peu de tramage, j'ai changé les couleurs. Mais ça, je ne l'ai pas redessiné. Par contre, le reste, oui, j'ai redessiné donc en me disant voilà comment j'aurais aimé que soit et salut Audrey. Lotus. Voilà comment j'aurais aimé Lotus sur mon Amstrad. Surtout qu'il en est capable graphiquement, je précise. Graphiquement, il en est capable. Après, les sprites ne sont pas beaucoup plus gros. Est-ce que c'est plus compliqué? J'en sais rien. Alors, moi, j'ai vu des jeux qui ressemblent à ça sur Amstrad. Hein. Il y en a, alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est. Outrun. Burning Rubber. Burning Rubber, je ne sais plus où. Burning Rubber, oui.
Je sais plus, il y en a qui ressemblent à ça. Hein. Donc je me suis dit que ça, c'est faisable. Mais bon, il n'y a pas de prouesse graphique là. Hein. C'est simplement des pixels. C'est du mode zéro. Les sprites des voitures sont pas énormes non plus quand on voit les sprites qu'il y avait sur la version originale. Je reviens sur la version originale. Ils sont gros quand même, les sprites. Ah, par contre, il y a de l'écho. Bon, je vais mettre le casque cette fois-ci. Hein. Là, ça devrait être bon. Parfait. Les sprites sont quand même impressionnants. Les sprites sont de la même taille quasiment. Donc je suis parti là-dessus. Voilà. Et je me suis dit, on va décliner parce que je ne sais plus qui m'a dit sur Facebook. Il m'a dit ça serait sympa d'avoir d'autres météos, un peu comme sur la version Amiga. J'ai dit, ah oui, c'est pas bête. Ben, j'ai fait la version coucher de soleil. Alors, beaucoup plus simple, simplement avec des dégradés de couleurs, mais toujours en respectant la contrainte du nombre de couleurs de la palette. Donc. Et voilà, un petit dégradé qui fait qu'on se croit la nuit tombée. Voilà. Et puis après, quelqu'un m'a dit, oui, mais ça, on pourra, comme l'a fait très justement remarquer, qui c'est d'ailleurs qui l'a fait remarquer, je ne me souviens plus sur le chat, que ça ne pourrait pas bouger. C'est Laurent, non ? Je crois que c'est Laurent. Il m'a dit. Peut-être. Je crois. Qui... Ça ne sera pas aussi jouable que sur Amiga, bien sûr. Voilà. Il m'a dit, mais comment ça serait si c'était vraiment comme sur Amstrad dans la version originale ? Je lui ai dit, on va voir. Et là, j'ai créé. Tac. Voilà, le la version. Screen. Qu'on aurait. Donc là, vraiment, j'ai respecté la taille de l'écran de la fenêtre de jeu. Donc on voit que c'est plus petit, c'est en haut. Et tout ce qui est en bas ne bouge pas, forcément, c'est du décor. Ouais. Donc là, la voiture, elle bouge pas. Et ça, je pense que ce serait vraiment, vraiment faisable sur un Amstrad. Et d'ailleurs, j'espère que Vespertino qui va arriver va exploser tout ça, quoi. Il va faire quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, là on aurait. Ouais, Vespertino qui est un peu mythique, hein. On ne sait pas si ça arrivera un jour, mais enfin. Ça arrivera, j'en suis sûr. J'en suis sûr que ce n'est pas une Arlésienne, ça va arriver. J'en suis sûr. Ouais. Donc, on a Audrey qui nous a rejoint, à qui tu avais envoyé le petit octopus entre parenthèses. Ah, salut Audrey. J'espère que ça te plaît, que ça te fait plaisir. Ah voilà, on ne s'entend plus chez. Ah si, un petit peu, mais c'est pas grave. Un petit peu. C'est pas grave, on dira que c'est l'écho. C'est l'écho dans ces montagnes. Mais alors, j'ai vraiment la guigne ce matin. Je branche sur sa prise casque mon casque et ça ne veut pas marcher. J'ai pas le son, j'ai baissé le volume. Est-ce que tu peux, que dans les paramètres de StreamYard, tu dois choisir la nouvelle sortie audio. C'est ce que je viens d'aller voir, oui. Il ne le fait peut-être pas tout seul. Il veut pas. Bon, c'est... Voilà. Tu nous entends là ou pas ? Ouais, je vous entends, c'est un peu juste, mais je vous entends. Ça fait de l'écho toujours ou pas ? Un petit peu, non, mais c'est acceptable. Un petit peu, très très faible. Attends, j'ai un casque pour mieux vous entendre. Ouais, du coup. C'est fou, ça c'est le musicien qui fait le bazar dans le son cette fois-ci. Mais oui, parce que les musiciens, ils veulent toujours avoir une installation parfaite et du coup, les trucs de base, ça les intéresse pas, donc ça marche pas. Non, mais normalement ça fonctionne, mais le chargeur de, comme je te l'ai dit, de mon ordinateur portable, il est foutu, donc il a souffert de décès. Je devais en acheter un cette semaine et j'ai pas eu le temps. Bravo. On voit comment on est traité chez la team Galaxy. Et puis après, sur l'ordinateur de bureau, il n'y a pas de webcam. Vous en doutez. On faisait une petite parenthèse sur votre prochain jeu. Lotus Turbo. Ah, mais du coup, je n'ai pas entendu parce que tu sais que je n'ai pas toutes les infos. Hein. Non, mais je plaisante. C'était pas du tout ça. On va en parler là. Avant de se. Quelle heure il est ? Il est midi et quart. On parle un peu de musique là avant de se quitter. Maintenant, t'es revenu. Est-ce que tu peux nous présenter quelque chose ? Oui, bien sûr. Donc, juste une petite parenthèse. On t'attendait pour parler musique, Pulso. D'accord. Donc une petite parenthèse, donc effectivement, j'ai du mal avec le son, avec le retour, ça fait bizarre. Cet écran qui montre des voitures, c'est simplement un délire. Donc il n'y aura pas de jeu là-dessus. Je laisse bien sûr le Batman Group finir son jeu, son Vespertino. Moi, c'était juste pour le délire. Par contre, effectivement, tu as mis le doigt sur quelque chose tout à l'heure, David. Avec Kukulkan et Pulso, on est sur quelque chose de nouveau qui ne verra peut-être pas le jour en 2023 parce qu'il va falloir programmer. On y est dessus depuis à peine une semaine. Pulso n'a même pas encore vu à quoi ça ressemble. Moi, j'ai fait des graphismes. Ça fait une semaine, j'y suis comme un dingue dessus. Il va y avoir du graphisme, du mode zéro, de la GX4000, des palettes pas courantes. Il va y avoir beaucoup de choses. Je ne peux pas en dire...
peux rien dire en fait, sinon que c'est un concept qui n'a jamais été fait sur Amstrad. Je pense qu'on n'a jamais vu ça encore. Je ne veux pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Ça ne va pas être quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire au niveau de la technique, hein, je ne pense pas. Mais c'est le concept qui n'est pas vu. Voilà. C'est... Ta description est étrange. Mais voilà, j'ai du mal à comprendre le concept du jamais vu. Quoi. Ouais, alors ça va être un peu sombre, je vous le dis, ça va être dark, ça va être gothique, mais bon, bah, vous verrez bien. Voilà. Je pense qu'avec un tel jeu, on risque de finir en garde à vue quand même. Hein. C'est possible. Ah oui, à ce point-là. Et toi, Pulso, tu es au courant de ce qui t'attend ou pas du tout? Un petit peu, mais il ne m'a pas tout dit. Mais je sais que je vais devoir faire les musiques les plus gothiques et les plus dark que j'ai jamais conçues, je pense. Génial. J'ai bien hâte. Oui, ça va être orienté très gothique, très sombre. Je pense que les gens qui aiment, je ne sais pas moi, la trilogie du samedi, tu te rappelles, avec Buffy. Qu'est-ce qu'il y avait avec... Oui, mais... Ah, je trouve que ça va être pire que ça. Ouais, ça va être bien pire. Tu nous partages. Ça va être pire. Alors, moi, et honnêtement, Arcos, vu le monde dans lequel on vit, où il y a des gens qui s'offusquent pour pas grand chose, moi je pense qu'il y a des gens qui vont être choqués quand même. Franchement. Mais on s'en fout. On fait ce qu'on veut, on s'en fout. Ouais. C'est de la niche. On part sur la musique. Il nous reste un bon quart d'heure là. J'affiche ça. Alors je sais pas trop à quoi ça correspond, mais vous allez nous expliquer. Alors moi, là, je vais laisser le micro à Pulso. Ouais. Vas-y. Alors, je ne connais pas ce logiciel, c'est quoi? En fait, je vais vous avouer quelque chose, je fais tout faire par des intelligences artificielles, je ne connais pas. Tout est fait en Donc, Inde. Donc, pour faire simple, bon, ça, c'est l'interface de Arcos 2. En haut, vous avez une sorte de matrice dans laquelle vous sélectionnez les patterns que vous voulez faire jouer. Donc, c'est là-dedans que vous faites la structure de votre musique. Et ensuite, sur la partie en haut à gauche, c'est un genre d'oscilloscope sur lequel, bon, ça c'est pour le fun, ça permet de voir un petit peu les formes d'ondes quand on fait jouer la musique. En dessous, sur la partie gauche, c'est la liste des instruments. Voilà. Ah oui. Quand vous cliquez sur instrument, vous cliquez sur un des instruments, voilà, n'importe lequel, tu cliques sur instre, au-dessus, voilà là. Là, on accède aux paramètres sonores de l'instrument en question. Donc, l'enveloppe, le timbre, la forme d'onde, dans le si ou square, ou évidemment le noise aussi. Le vibrato qu'on va lui attribuer, en fait, on accède aux paramètres habituels de l'Amstrad. Donc, c'est là où on va bidouiller le son. Là, je ne sais plus ce que c'est. Vas-y, clique sur le troisième. Ah oui, là, c'est... Attends, je mets mes lunettes, je ne sais même plus... Ah oui, c'est pour créer, ouais, c'est pour les arpèges et tout ça. Ça, je ne m'en sers pas trop, en fait, moi. Pour l'instant, je ne m'en sers pas. Et donc, sur la partie centrale en haut, c'est eh bien, le système pour faire la structure. Ah oui, et là, c'est là où on rentre les notes. Donc, sur le numéro à gauche, là, en hexadécimal de 0 à je ne sais plus combien, FF, je crois que ça va, ou même pas certains, non. Ça va jusqu'à 3F. On peut en mettre un peu plus, il me semble, mais c'est la longueur du pattern. Ensuite, eh bien, le D, A, G, c'est la note en question. Le premier chiffre après, sur la droite, 0,2, c'est pour le deuxième instrument. Donc là, on a le bass drum, je ne sais plus quoi. On peut leur attribuer des couleurs aussi, ça peut être pratique. Et puis, donc, canal 1, canal 2, canal 3. Et après, on a aussi, sur chaque canal, on a 4 lignes de 4 points. Et là, c'est pour des effets, pour les glissando, les arpèges, des transpositions parfois. Et après, tout à droite, on peut sélectionner la vitesse du pattern. Donc là, c'est la vitesse 5. Alors, ce n'est pas très fin, les vitesses. On ne peut pas faire exactement... Quand on passe de 5 à 6, on gagne déjà 10 ou 15 BPM, en réalité. Ah oui. Ce n'est pas toujours évident de choisir le tempo que l'on voudrait. Et voilà, bon, ce n'est pas très compliqué. Il faut s'y faire. Alors, c'est un logiciel que je découvre, moi. Hein. Je l'ai découvert avec quoi, Eric? Parce que Shadow of Death, j'avais fait ça sur Logic. En respectant à peu près les contraintes de l'Amstrad. Après, on avait fait quoi comme jeu? Je ne me rappelle plus. Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est sur un deuxième jeu, c'est sur un jeu que j'avais découvert ça. Mais en fait, là, c'est à peu près le troisième jeu que je fais sur Arcos. Hein.
Alors, les trackers, je connaissais parce que quand j'étais jeune, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais quand j'étais jeune, j'étais sur un tracker, sur Amiga, je m'amusais un petit peu avec un tracker. Ouais. Voilà. Là, la différence de travail, entre guillemets, entre un tracker Amiga ou un Prologic ou ce que tu veux, et ça, c'est que là, tu as la notion de paramétrage de tes instruments, la courbe, alors moi, j'y connais rien. Hein, mais sur tous les autres logiciels, tu as la même chose, en fait. Hein, si... Oui, mais ce n'est pas des samples. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas des samples, c'est purement des courbes. Ah oui, oui. Ouais. Ouais. Là, sur Amiga, oui, tu pouvais travailler avec des samples qui étaient limités, mais c'était énorme quand même. Hein, sur Amiga, ce qu'on pouvait faire. Oui, bien sûr. Petit rappel, la musique de Shadow of Beast, évidemment, qui est extraordinaire. Hein. Bien sûr. Non, Amiga, c'était. Là, on j'ai est l'impression beaucoup que sur Amiga, c'était plus simple. Là, il faut chercher en fait à améliorer le son grâce à des enveloppes, des LFO, en créant du vibrato dans le son. Alors, il y a une petite astuce que beaucoup de gens qui utilisent des trackers connaissent. Hein. C'est pas moi qui ai inventé ça. Mais c'est de faire jouer un vibrato très rapide. Par exemple, entre le Do et le Mi, tu fais jouer un vibrato très rapide, mais un vibrato en square, c'est-à-dire qu'il va passer du Do au Mi directement. Il ne faut pas faire un vibrato avec une sinusoïde, parce que sinon, ça va faire Do, comme ça. D'accord. Il faut que ça fasse Ta. Et quand ça le fait très, très, très rapidement, ça permet de donner l'impression que tu ne joues pas qu'une note, mais deux notes. Tu joues un accord, en fait. Et ça, je l'ai beaucoup employé sur... Donc, au lieu d'avoir trois canaux, finalement, tu as l'impression d'en avoir quatre. Ça permet de faire une petite partie harmonique. Et d'ailleurs, si tu vas... On les voit, à gauche... Voilà, corde. Tu vois, le cinquième son et le sixième son, il y a corde 347 et 058 ou 047, je ne sais pas exactement. Eh bien, ça, voilà, ce sont des accords. Alors, j'ai dû en choisir un majeur et un mineur pour m'adapter à la musique. Incroyable. Voilà. Et on voit le bouclage de l'accord qui se fait entre le 8 et le A. Et c'est là où ça va jouer pour le fameux vibrato dont je vous parlais. Voilà. Ah, c'est quand même du travail. J'ai un peu schématisé. S'il y en a qui sont spécialistes des trackers, ils vont dire oh, il n'est pas très précis, mais bon, je simplifie un petit peu. Et sur Amiga, finalement, c'était un petit peu pareil, sauf qu'il y avait des samples en plus. Et après, bon, les logiciels actuels, ce qu'ils appellent DAW, là, Digital Audio Workstation, c'est comme Logic Pro. Bon, on est très, très loin de ça quand même. Hein. On travaille pas par petits patterns, on travaille de façon beaucoup plus linéaire, en fait. Alors après, les patterns, ils existent, hein, mais on les place de façon linéaire. Et encore aujourd'hui, dans Logic, ils ont créé un système un peu comme dans Live d'Ableton, où on crée des petits patterns qui sont embrayables à la volée, on va dire. Voilà, pendant le jeu, tu peux cliquer sur le truc et tu construis ta structure musicale comme ça. Ouais, Eric nous a quitté cette fois-ci. On parle trop de musique. Il a plus de batterie sur sa caméra, je pense. Mais il est toujours là, mais en fait, il a plus de batterie sur sa caméra. Donc c'est là, mais qu'est-ce qu'il fait ? On ne sait pas. En tout cas, merci pour cette explication. Est-ce que pour toi, travailler là-dessus, ça reste un travail de musicien ou un travail de bidouilleur geek Ah non, il faut quand même avoir quelques notions musicales. Mais après, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est quelque chose que j'adore. Alors moi, je suis professeur de musique aussi. Hein. Ouais, et ce que j'adore avec la musique électronique, c'est que ça permet à tout un tas de personnes qui n'ont pas étudié la musique en école de musique ou en conservatoire, d'aborder la musique avec des notions minimales. Et ça, je trouve ça génial, moi, en tant que musicien. Je ne suis jamais critique envers ceux qui font de la musique de façon très basique ou avec un niveau très, très faible, entre guillemets, parce que chacun fait de la musique au niveau auquel il le peut, et puis ce qui compte, c'est de se régaler. Voilà, c'est vraiment ça, et l'essentiel. Et grâce au tracker, grâce au logiciel actuel et tout, il y a plein de gens qui font de la musique sans savoir ce que c'est qu'un accord majeur et mineur. Ils entendent ça à l'oreille, et ça leur plaît, ça leur plaît pas, et c'est comme ça qu'ils corrigent. Oui, Eric, on te voit. Hein. Et c'est pas grave après tout. On m'entend ? Ah ben non, il n'y a rien de grave là-dedans. Ce qui compte, c'est de se régaler. Est-ce qu'on m'entend ? Ouais. Un peu. On t'entend faiblement. Ouais, ça grésille. Attends, je te mets plus fort le volume. On va résoudre le problème comme ça. Merci, on a eu plein d'explications. Alors c'est super chouette. J'attends quand même le jour où Eric va me proposer de faire un jeu sur une plateforme qui permettra de mettre des samples à foison. Ah, hein, oui. Eric, il va falloir passer un petit peu sur du 32 bits, je pensais. Un petit jeu pour Amiga, ça pourrait le faire quand même. Hein.
Ouais, mais alors là les, au niveau graphisme, ça sera autre chose aussi, parce que là, on a de la couleur, là, on a de la résolution. Je pense qu'un écran qui me prend une journée à faire sur CPC, ça va être une semaine sur Amiga. Oui, oui, je sais bien. Mais ça va plus de temps en plus phonique pour faire la musique. Et puis, oui, déjà. Et puis, en plus, alors, j'ai quand même un petit... comment dire, un petit fétichisme dans mon studio, c'est-à-dire que j'ai un instrument, le Korg M1 Rack, qui est un instrument un petit peu dépassé par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Mythique, ouais. Mais je l'ai parce que c'est avec cet instrument qu'ont été faits les samples de Shadow of the Beast. Ouais. Et donc, je me régale de retrouver les sonorités. Alors, dans une résolution qui est un petit peu meilleure que celle de l'Amiga, puisque là, on est quand même en 16 bits 44, mais les sons de flûte, les percussions, beaucoup de percussions qui ont été faites, qui viennent du Korg M1. Il est en rack, là. Pour ceux qui connaissent pas, voilà. Montre-nous-le. On veut voir ça, on veut voir ça. Ah, ça ouais. A été fait. Oh. Avec, je vais l'allumer. Je vais faire attention de ne pas faire tomber le son harmonix va nous faire un malaise. Voilà, avec cette machine-là. Voilà. C'est compliqué. Donc tu te prends pour David Whittaker de temps en temps et tu composes dessus? Oui, voilà, c'est ça, quand je m'amuse. Et puis je ne sais plus à qui on m'a confondu sur une autre chaîne là il y a quelques jours. Je ne sais plus. Chris Hulsbeck. Chris Hulsbeck, comment? Chris Hulsbeck. Oui, je crois. Ils étaient en train d'écouter l'intro et puis ils ont dit ah. Alors là, c'est super flatteur. C'est comme si on te comparait. Non, c'est plus sophonique. Je ne sais pas moi. Mais je l'ai pris comme un compliment. Ah ouais? Alors là. Ouais. Et tu nous as présenté tout à l'heure hors antenne un espèce de synthé. Je sais pas, peut-être que je suis médisant. Le neurone. Un synthé en soi. Alors, je ne suis plus sur le canal. Que tu as restauré, il y a des musiciennes dans le coin, non, je pense. Bah, il y a Sun Harmonix qui en fait, il a déménagé parce qu'il y avait trop de synthé chez lui. Bon, j'exagère à peine. Alors, je vois Camille 200 aussi. Camille 200, c'est un amigaïste confirmé. D'accord, ok, parce que le Camille 200, c'est un synthétiseur aussi. C'est pour ça que je pensais qu'il avait ce pseudo. Je ne suis pas sûr que ce soit pour ça. Alors, c'est à cause de l'Amiga 200. Le synthé en question, c'est le Neuron Hartmann. Alors, attendez, je vais essayer de me mettre droit. C'est très compliqué parce que c'est à l'envers de ce que je montre. Le Neuron Hartmann, qui est un synthétiseur qui est avec la synthèse neuronale, c'est-à-dire que dedans, on peut faire jouer une corde de violon, mais au lieu d'utiliser la caisse en bois du violon, on peut la faire passer dans une caisse en métal. Et on peut remplacer la corde métallique du violon par une corde en nylon. Et puis la caisse du violon, on peut la faire de 8 mètres sur 25 mètres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses faisables. Or, c'est Apollo 1 hein, de la NASA. Voilà, il va démarrer. C'est un truc récent, ça, ou c'est un ancêtre? Et c'est un synthé déjà ancien, il n'y en a pas eu beaucoup dans le monde, mais qui permet de faire beaucoup de sound design. Et il est encore utilisé beaucoup par Hans Zimmer. Donc, D'accord. Voilà. Ça, c'est l'acquisition récente du studio. Voilà. Au niveau des LED, tu n'es pas sur l'économie d'énergie. Hein. Alors, j'ai un problème. Le ventilateur de l'ordinateur de ma femme s'est mis en route. Et comme j'ai mis le volume au minimum, je n'entends plus. Je lève un tout petit peu, je suis désolé. Ah oui, à ce point-là. J'adore. Je disais qu'au niveau, au niveau des LED, sur le synthé, il n'y a pas d'économie d'énergie. Là. La taxe carbone, là, elle n'est pas respectée. Putain, oui, regarde ça. Voilà. Non, et puis les contrôleurs, il y a des contrôleurs rotatifs comme on trouve sur aucun autre synthé. Il y a ces petits joysticks là sur lesquels on peut enregistrer les mouvements de 3D. Ah, c'est cela qu'il faut que je réimprime. Un synthé qui est capable de faire du 5.1. C'était assez rare qui est de 2004, je crois. Et c'est aussi pour ça qu'il a beaucoup plu à des compositeurs de musique de film. Impressionnant. Voilà. Impressionnant engin. Et donc, est-ce que tu rêverais pas de l'utiliser dans un prochain jeu? Ben voilà, c'est ça. C'est ça ma question. Est-ce que tu rêverais pas de le mettre à contribution dans toute sa splendeur pour un jeu qui mériterait tout ça? Ah ben là, on pourrait déployer des moyens sympas quand même, hein, pour un jeu avec l'audio qui suivrait. Mais bon, après, en même temps, c'est pas très grave. Sur Amstrad, c'est un écueil d'avoir que 3 canaux de polyphonie, mais bon, c'est... Mm-hmm. Parfois, c'est bien de travailler sous la contrainte.
Tu vois, tu peux arriver des fois au studio, tu sais même pas quelle machine allumer parce qu'il y en a 30. Et alors que si tu es limité en nombre de machines pour un projet, tu te dis je me contrains sur ces 3-4 machines, eh ben, tu vas bosser beaucoup plus rapidement. Ouais, et finalement. En vieillissant, c'est quelque chose que je m'impose parce que je compose aussi avec, je fais de la musique électronique avec un ami. Et donc, quand on commence un nouveau morceau, on se restreint à certaines machines. Si on commence à tout allumer, qu'on va partout, eh bien, on passe la soirée ou la journée à bricoler et pas vraiment à avancer. Voilà. Il n'y a rien qui sort. Quoi, ouais. Et est-ce que tu n'aurais pas envie, il y a certains musiciens qui font ça, j'ai remarqué, eux-mêmes ou le font faire par d'autres, de sortir tes musiques, par exemple, celle d'Octopus, mais jouer, j'ai envie de dire, avec des vrais instruments et complètement réorchestrés, etc. C'est rigolo que tu dises ça, parce que Eric, avec son projet, le Dark Projet, on va l'appeler, je crois, Projet dans lequel il m'embarque, je lui avais proposé, justement, parce que les musiques que je vais créer pour ce jeu-là, je pense qu'elles vont être assez particulières, et je me suis dit que c'était dommage de ne pas les mettre en version orchestrale. Donc oui, il y aura, sur le prochain jeu, il y aura des versions orchestrales. Pour Octopus, oui, il y aurait peut-être 2-3 trucs à reprendre pour les mettre en orchestrale, ce serait sympa. Très probablement sur ma chaîne. Alors pour l'instant, j'ai une page sur pas ma chaîne YouTube, je veux dire sur mon site. Il faut que je fasse une grosse mise à jour avec tout ce qui est composition, musique de jeu et musique aussi pour des courts-métrages ou des publicités parce que je bosse aussi là-dedans. Et du coup, quand la mise à jour sera faite, après le site, vous pouvez le trouver, hein, c'est plus sophonique.com, hein, c'est pas très compliqué. Mais il n'y a toujours pas la page en question. Voilà. Alors, je vais quand même partager ton site pour les. J'ai pas entendu. Je partage l'URL pour les. Ah oui, pulsophonique, je l'ai écrit, .com. C'est bon. Troubadour of Modern Times, c'est bien toi. merci les gars, on est dans les temps, vous vous rendez compte, c'est pratiquement impossible normalement avec Eric. Il est 12h30. Je te vois tendre l'oreille pulsophonique, désolé pour le problème de son. On va se laisser là. Merci les gars d'avoir été là, c'était super cool. Quand est-ce qu'on se revoit pour ce Dark Project? Il faudra qu'on le fasse à minuit, c'est ça, pour pas que ça choque. Il va falloir demander si Fleurim et Rogis permet de faire des lives depuis les cellules. Merde, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai tellement hâte d'en savoir plus maintenant, ça devient incroyable. Mais voilà, putain, il pète un câble. Merci beaucoup, Pulsophonique, avec tes problèmes. Mais j'espère que tu les résoudras et que tu trouveras ton chargeur. Oui, je vais aller acheter un chargeur dès cet après-midi pour mon ordinateur. Ouais, comme ça. Voilà, il y en a marre. Merci beaucoup, merci Eric. De rien, merci à vous. Et de tous ces projets que vous menez tous les trois avec Kulkan, donc il ne vient jamais nous voir. Jamais, il viendra. On se retrouve pourquoi la prochaine fois? C'est la fin de Goldorak, c'est le projet d'Arc, c'est un autre truc. Peut-être la fin de Goldorak, non, Eric? Alors, Goldorak, pour le moment, j'ai pas de nouvelles puisque Ziske est toujours en reconversion. Il est d'ailleurs dans un projet actuellement. Tu as vu? Voilà, sur Facebook. Donc, on va lui laisser finir tout ça et puis après, il reviendra vers nous. Mais je pense qu'on aura avant le fameux Dark Project. Ah, avant. Ouais, je pense. Disons que c'est Kulkan qui est à une allure incroyable. Donc, je pense qu'il est super. En plus, il est super motivé en ce moment. Donc, ça va y aller. Mais je veux pas. Mais laissez du temps à Pulsophonique, s'il vous plaît. je baisse le son. Non, je disais qu'il fallait qu'il te laisse du temps aussi à toi. Ah, d'accord. Oui. Surtout si tu veux partir sur des versions un peu symphoniques, orchestrées ou je ne sais quoi. Non, mais ça peut aller vite. Ça peut être fait. Okay. En fait, je travaille beaucoup plus vite sur des logiciels récents, parce que l'ergonomie est là, que sur Arcos 2. Bien qu'Arcos 2 soit très bien, et je remercie le programmateur, mais malgré tout, sur des logiciels comme Logic Pro X, ça peut aller très vite. Pour refaire une instru de toutes les musiques d'Octopus, ça peut être fait dans l'après-midi. Quoi. Ah ouais, quand même, ouais. Oui, ouais. Oui, ça peut aller vite. Eh ben, écoute, peut-être parfait, pendant les vacances. Tiens, pendant les vacances, je ferai ça. Au mois d'octobre, le rendez-vous est pris. Quand c'est prêt, tu reviens nous faire écouter ça. Sans Eric, on sera tranquille. Comment ça, sans Eric? Eh bien, puis c'est comme ça, je retourne dans les profondeurs. Voilà. J'ai compris pourquoi l'ordinateur de ma femme souffle. Ah?
Mais je vais, si je dis pourquoi, je vais passer pour le pire des. Elle a à peu près 50 applications ouvertes en même temps. Ah ben oui, j'en connais une autre. Voilà. Il y a Kramiga qui est multitâche. On va se laisser là. On va passer au jeu de Marble on Stream. On reste. Donc restez là dans le chat. Merci encore, Pulsophonique. Merci. Merci à toi. À bientôt. Des bisous. Au revoir. À bientôt, tout le monde. Je vous éjecte. On va en poulpe. On va en poulpe. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah ! Voilà. On est tranquille. Ça y est. Enfin, nous voilà seuls. Dans les profondeurs. On va enchaîner. On va enchaîner parce qu'on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas de là. Hein. On va enchaîner sur. Vous savez quoi hein. On va enchaîner sur comment ça s'appelle. J'oublie chaque fois le nom de ce jeu à la con là. Marbles on Stream. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de. Voilà, jouer. Il n'y a pas de mise à jour. C'est complètement inespéré. Alors, on va essayer de. Il y a toujours Eric qui est là. Il ne veut pas s'en aller. le jeu se charge. Hein, je ne sais pas. Et puis, on va jouer. Alors, qui est là pour jouer à la bouboule ? Qui veut jouer à la bouboule ? Est-ce que vous êtes là ? On a Sylvain, on a Laurent, on a Margounette. J'ai vu passer Irène Blanche tout à l'heure. Oui, elle est là. J'ai vu passer Froguili. Qui est-ce qu'on a en lice encore en ce moment là dans le jeu Play? Véronica, coucou, t'arrives à pile. Ça veut rien dire, excuse-moi. N'apprends pas ça. Tu arrives pile ou tu arrives à temps, un des deux. Allez, c'est parti, je partage l'écran, je reste sur StreamYard, donc ça va être un petit peu différent de d'habitude, mais vous inquiétez pas, ça n'a pas d'incidence sur, sur rien du tout, en fin de compte. Alors attendez, parce que... voilà. Partager l'audio. Tu vas me dire, il n'y en a pas tellement d'audio. Voilà, j'ai compris. Et voilà. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous voyez le jeu? Est-ce que vous préférez comme ça, peut-être? Un peu comme on stream d'habitude. Première chose à faire... Allez voir les scores, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait suspicion. Automne 2023, voilà où on en est. On a Antoine Taonou qui est premier avec 86 points. On a Irène Blanche qui est deuxième avec 83 points. Elle n'est pas très loin. On a Froguili. On a Audrey. On a DDYDLS, mais ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. On a Laurent qui a 21 points. Sylvain. Mérovingien qui est passé une fois mais qui a gagné une course, Eric qui est 9e, hein, il est dans le top 10, et c'est Sicolis qui ferme la marge du top 10 avec derrière Véronica, Ezekiel, Margounette, Arzac et KittyCat 60 ou 60 selon le point de vue où on se place. Taonou est pas là. 10e, ça va, je suis large, nous dit Sicolis. Taonou n'est pas là, à nous le podium, c'est vrai, c'est vrai. Le suspense est total. Bah, écoutez, oui, comme d'habitude, on va faire... Oui, on a le temps de faire 5 courses. Je lance la première, le gagnant de la course va choisir la seconde, etc. etc. Let's go. Je cause, mais ça ne nous rendra pas, Dalida. Laboratory, parce que j'ai choisi celui-là. C'est parti. Vous savez qu'il faut taper point d'exclamation play dans le chat, tout attaché pour que vous puissiez... Irène Blanche est occupée, mince. Pourquoi Irène Blanche est occupée? Non, elle est là, je l'ai vu. Non, elle dit Irène Blanche. Tape play. Ah, mais t'as tapé play déjà. Alors... Play encore, Sylvain il met 2 boules. Ça serait marrant ça de pouvoir avoir une boule gratuite et après payer pour pouvoir avoir les autres boules. Avec pas du vrai argent, bien évidemment. Avec des points de chaîne par exemple ou des choses comme ça. Ça permettrait de favoriser les gens qui sont extrêmement fidèles à la chaîne. Il faudrait mettre un point de chaîne, genre 50 000 points de chaîne pour avoir une deuxième boule, vous voyez, un truc comme ça. Ça favoriserait les gens qui sont fidèles toute l'année, finalement. Play It Again Sam Pias, le label bien connu, évidemment, et la tirade qui vient du film Casablanca, bien évidemment. Enfin, Play It Again Sam, bon sang. Combien nous sommes? Nous sommes 10, c'est pas mal, 10. Est-ce qu'on a toutes nos stars? On a Laurent, on a Irène Blanche, on a Véronica, Sun Harmonix qui est là,
Bah écoutez, c'est parti. Audrey, Taounou, il est au cabinet, tant pis pour lui. C'est parti. Hop, je récupère ma souris et comme d'habitude, je vais faire un petit commentaire. J'ai pas mis de musique parce que, voilà, j'ai oublié tout simplement. Ah bah si, attendez, je vais en mettre. J'avais prévu quelque chose. Je sais pas si vous en voyez par contre. Oui, vous avez de la musique ? Pas trop fort ? Trop fort ? Attendez, c'est où le volume ? Voilà. Vous me direz. En attendant, on retrouve notre course avec Frogili, Sicolis et Sun Harmonix qui sont partis seuls en tête, et puis K1200, Irène Blanche, Véronica qui sont un petit peu derrière. Mais Frogili et Sun Harmonix ont l'air bloqués dans des tuyaux, là, on ne sait pas ce qu'ils font. En tout cas, ils le font bien. Rotationné. Voilà. Alors, Sun Harmonix est en tête, il a vu qu'il y avait un superbe coffret Zelda à gagner, il est motivé. Sicolis, Véronica qui a rattrapé tout le monde, Eric Frogili, Margounette, Audrey, Irène Blanche qui va très vite. Où est-ce que vous êtes passé ? Ah oui, est-ce qu'il y a une échelle là ? Je sais pas, je suis mal positionné, là. Je vais me mettre comme d'habitude. Voilà. Bon, décidément. Merde. Merde, merde. Ah, quel enfer. Je vais retourner à la course, je fais pas ça. Oh mon dieu. Et on a pété tout le jeu. C'est pas grave, je vais laisser ça pour l'instant. Je vais dézoomer. Et on va continuer de suivre la course. Alors, où est-ce qu'on en est ? Irène Blanche, Sylvain, c'est un bordel. Magistral. Je vais dézoomer, je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas grave. On a Sicolis qui a pris la tête. On a Frogili qui arrive. Sun Harmonix, Véronica. Sicolis a été bloqué complètement par le râteau là. Eric Cubizol arrive. Ouais, Irène Blanche. Qu'est-ce qu'elle fait, Irène Blanche ? Elle a fait du tour en demi, mais ça y est. Sun Harmonix a gagné la course. Il est au taquet, le gars. Qui va faire deuxième ? Peut-être Sicolis, mais c'est pas sûr du tout. Si, c'est Sicolis, Frogili, Véronica, qui rate de peu le podium, elle reprend un peu du poids de la bête, elle a fait des courses. Qui est-ce qu'on a d'autre ? Je parle trop fort ? Je parle pas assez fort ? Laurent, Eric Cubizol, faut que je laisse la musique du jeu, alors j'imagine. Qui est-ce qu'on a d'autre ? Irène Blanche qui arrive finalement. Hop, on est arrivé au bout. Alors, c'est quoi le podium ? Vous m'entendez pas bien, c'est ça que vous êtes en train de me dire ? Alors, attendez. Pourquoi ? Si, c'est bon ? Ok, c'est pas très clair. Sun Harmonix, tu as gagné. Police, tu es deuxième, troisième. Juste musique un poil forte. Allez, on va baisser. Voilà. C'est mieux là ? Dites-moi avant qu'on reprenne le jeu, parce que quand on est dans le jeu, je ne peux pas forcément bien lire votre chat. Tout simplement. Oui, c'est mieux. Parfait. Donc la musique qu'on écoute, c'est la musique du jeu A Musical Story. Je vous ai présenté ça dans la mare aux grenouilles hier, et puis Laura, vous avez fait le stream de ce jeu. C'est parti les enfants, c'est bien deuxième, bah, c'est pas mal deuxième. Sun Harmonix, tu dois nous donner un numéro entre 1 et 59, si ma mémoire est bonne, mais évite le 25 parce qu'il ressort tout le temps, qui sera la prochaine course. Voilà. Donne un chiffre. Le 6, comme saucisse. C'est pour un ami. Véronica m'a battu. Allez, le 6. The Gauntlet. Let's go. C'est reparti. C'est la deuxième course. Et je vous invite à taper point d'exclamation play dans le chat. Bien évidemment, les amis. Regardez, on a un gros entonnoir. On a des pistes un peu à la Marble Madness. Et puis, voilà.
J'essaie de comprendre pourquoi ma caméra elle fait plus ce qu'on lui demande. C'est mieux là déjà. Ok. Alors, qui est-ce qu'on a ? Véronica, Froguili, Sicolis, Sylvain, Audrey, Eric, Irène Blanche, Laurent. Il nous en manque, il nous en manque. Qui est-ce qui nous manque ? Il nous manque Sun Harmonix qui vient d'arriver, Margounette qui vient d'arriver. On est 10, on a été 10. Vous êtes 10. Vous êtes beaux. C'est parti. Allez, hop. Start. Alors, le coup de l'entonnoir, on le connaît, c'est quasiment comme ça dans tous les jeux, enfin dans toutes les pistes de ce jeu. On a un record du monde à 2 minutes 05 et on a un record local par Laurent à 2 minutes 39. On va voir ce que ça donne. Allez, on va attendre la sortie du tuyau parce que là-dedans, on ne sait pas trop ce qui se passe. On voit juste les noms en transparence. Qui va sortir en tête ? Vamos à la playa, nous dit Sicolis. Vamis, mais bon, c'est Vamos, j'imagine. Laurent sort en tête. C'est le bordel pour l'instant. C'est Audrey qui prend la tête. Véronica est derrière. Laurent, Irène Blanche, et pas loin. J'ai cru voir passer. Moi, elle est Sicily, Margounette. Ça va très vite pour Audrey. Ça va extrêmement vite pour Audrey. Elle passe dans l'éléphant bleu là, pour laver les voitures. Un deuxième. Entonnoir, qui est derrière ? On a Véronica, qui commence à prendre un peu d'avance, Irène Blanche, Eric Lubizol et Margounette. Sicolis, Laurent et Froguili ferment la marche. Avec Sun Harmonix, là-haut, regardez Sun Harmonix, il est tout humide là-bas derrière. Bah alors. Pendant ce temps, à Veracruz, on a perdu Audrey. Ah, elle est là. Elle est restée coincée dans le petit peigne, là, qui est un peu pénible, mais finalement, elle s'en est sortie. Hop, elle est partie à toute allure. Sylvain est tombé. Sylvain est tombé. Warning, warning. Sylvain est tombé. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Sun Harmonix rattrape un peu la foule, mais pas plus que ça. Sicolis a failli tomber aussi. Audrey est toujours perdue dans les circonvolutions de ce circuit, là. Elle est passée très, très, très facilement sur les petits pics, là. Elle est quand même ralentie par... C'est marrant parce que là, il y en avait plein. Elle est passée à toute vitesse et là, il n'y en a qu'un ou deux. Elle a été ralentie à mort, j'ai envie de vous dire. Mais elle a passé le plus dur. Il y a un gros obstacle à sauter. Si elle est ralentie trop par les petits blancs que vous voyez, ça risque évidemment de poser un sacré problème. Mais voilà, là, elle a été ralentie. Attention, est-ce que ce sera suffisant pour sauter ? Oui, elle a réussi à tomber. Voilà. Au revoir, Audrey. Alors, il nous reste qui ? Véronica, Sicolis, Irène Blanche, Eric Cubizol, qui sont dans un peloton intermédiaire, enfin, qui est devenu le peloton de tête, du coup. Véronica saute, Véronica réussit, Irène Blanche est tombée, Véronica est tombée, Sicolis est tombée. Il nous reste Eric, qui est resté dans la gouttière. Laurent est tombé. Pour l'instant, il n'y a que Eric qui peut gagner cette course. Il reste Froguili, Margounette et Sun Harmonix. Alors lui, il va tout doucement, mais il va finir sur le ton de tête, finalement. Froguili est tombé, Margounette... elle est tombée. Eric Cubizol se dirige vers la victoire, et c'est une victoire pour Eric, bravo. Il nous reste que Sun Harmonix, si ça se trouve, il va faire deuxième. On va voir ça. Et ouais, il n'est pas tombé, parce qu'il avait une vitesse suffisante. C'est incroyable cette course parce que tout est tombé. Et donc, Sun Harmonix, qui a pris son temps comme Jaja, va faire un podium, probablement. C'est à peine croyable. C'est à peine croyable. Hécatombe, absolument. J'aime quand je suis pas le seul à décéder. Dieu, monde de merde. Ouais, c'est terrible, c'est terrible. Ouais. Audrey doit se maudire et maudire le jeu. Eric, tu as gagné sur Normalix, tu es deuxième. Eric, c'est à toi de nous donner le numéro de la troisième course entre 1 et 59. Et oui, la tortue, il ne faut jamais présager de ce qui peut arriver. Et pas la 6, c'est bien beaucoup. Ou alors, c'est vraiment de la perversion malsaine. Eric, donne-nous un numéro. N'est pas un numéro. Le 42 encore. On le fait souvent le 42. T'en as pas un autre ? Désolé, je suis chiant, mais
Le Carambeau, on fait quasiment toutes les semaines. Ouais, donne-nous un autre. Le 24, on inverse les deux chiffres. Le 20, allez, le 20. C'est bon, le 20, j'ai envie de 20, moi. Convergence 2024, record du monde. C'est parti, on tape play dans le chat. Point d'exclamation play. P-L-A-Y. Vraiment, je ne peux pas vous aider plus là. Zébardi, Zébardi, Normonix, Véronique, Sylvain, Eric, Wiesel, Freddy et Sipolis sont les premiers à avoir dégainé leur petit play. PlayStation, dit Margounette, mais ça marche, vous avez le droit d'écrire autre chose après play. Irène Blanche entre dans la course. Délicieuse grenouille. Ça, c'est bon, ça. Nous sommes 10, vous êtes 10, comme tout à l'heure. Je pense qu'on est au complet. C'est parti, on fait start. C'est la troisième course, les enfants. Qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? On ne sait plus. Ouh là 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 là, regardez-moi ce bordel. Oh. Jump of the death. Eh ben écoutez, on va voir qui survit. Personne ne descend hein, pour l'instant. J'attends parce que c'est Sun Harmonix. Il en veut aujourd'hui, Sun Harmonix. Hein. Il est au taquet. Il vient pas souvent, mais quand il vient, attention, faut pas que ça rigole. Alors, qui est-ce qui reste? Ah, délicieuse grenouille. Il a réussi à faire play. Comment c'est possible, ça? Ah, parce qu'elle a écrit play et du coup, ça a marché. Ça, c'est incroyable. Donc, on a notre bot qui joue. C'est complètement fou. On vit une vie totalement incroyable. Alors, tout le monde a réussi son premier saut. Hein. Je ne voudrais pas dire, mais... Délicieuse grenouille aussi. Oui. Allez. Et Audrey qui s'est dit, faut pas déconner, j'ai failli gagner une course. J'ai été injustement puni. Pas deux fois. Une fois ça va, mais pas trois. Hein. Donc Audrey, elle a repris les devants, elle ne s'est pas laissée abattre. Sicolis, Froilly, Véronica, Irène Blanche, Eric Wiesel, Sun Harmonix et Margounette sont largement dans la course. Sylvain rattrape un peu trop, délicieuse grenouille est paumée. Mais on ne sait jamais. Bravo en tout cas Sylvain, je crois, d'avoir fait jouer délicieuse grenouille, belle astuce. C'est à peine croyable ce qu'on peut faire avec un bot. Audrey qui a failli se faire rattraper mais qui est repartie. Ah ben non, elle est complètement à l'arrêt là. Ah, elle se fait cramer par tout le monde, c'est terrible. Elle a sauté dans le vide. Regardez ce suicide d'Audrey, de Véronica également. Parce qu'il y a des petits pics là, on les voit pas bien. Mais... Bon, je zoome. Je suis inversé, je sais pas ce qui s'est passé. C'est eux pour zoomer, là ça marche pas aujourd'hui. Ça marche. Police se dirige vers la victoire hein, quand même, on va pas se mentir. Margounette, Froggy, Sylvain, Eric et Irène Blanche semblent s'être sortis, pas tout à fait Irène Blanche, ni délicieuse grenouille encore. Des griffes de ses petits pics maudits, là c'est bon pour Irène Blanche, elle est passée la dernière. Margounette et Froggy complètent le podium. Eric Cubizol est quatrième, Sylvain est cinquième, Irène Blanche est sixième. Et délicieuse grenouille n'est pas encore arrivée. Alors je vais essayer de retrouver quel bouton. Pas, j'ai plus de temps pour zoomer. Ah voilà, c'est Z. C'est plus là. Okay. C'est pas pourquoi. Là. Délicieuse grenouille termine la course. Bah, écoutez, il y a eu des chutes. Hein. Il y a eu des chutes. Sun Harmonix, Audrey et Véronica ont chuté. C'est triste, mais c'est beau. Qui choisit le numéro pour la quatrième course? Eh bien, c'est Sicolis. C'est dur, hein, c'est dur. Hein. Nul, nous dit Sonormix. Véronica est triste. Le 36, s'il te plaît. Allez, 36, comme les 36 doigts de la main. On thin ice, ça va glisser. Let's go. Playvette, comme toujours.
Interdit d'aller au WC, oui, c'est ça. Audrey a quand même demandé à Délicieuse Grenouille, peux-tu éliminer les autres candidats pour que je gagne? C'est parti. On est 10, mais on ne devrait pas être 11, du coup, avec Délicieuse Grenouille. Qui est-ce qui nous manque? Il nous manque... Olivier, non. Audrey, non. Personne, alors? Sylvain? Il n'y a pas Sylvain? Si, il y a Sylvain. Se fait avoir à chaque fois Délicieuse Grenouille, ouais. C'est vrai, elle est un peu naïve, Délicieuse Grenouille. Ah, c'est balèze, hein, c'est balèze. Donc on continue comme ça. On est que 10. Je sais pas qui il manque, hein, de mémoire, franchement, me rappeler qui joue. C'est pas facile. Sun Harmonix, évidemment, je suis bête. Ah, t'as de la chance, Sun. C'est parti, on est 11, je fais start. On a un petit bonhomme de neige. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais été aussi près de Noël. Allez, c'est parti mon kiki. Qu'est-ce qui nous attend ici? Audrey, elle a bien compris tout. Elle a bien compris qu'il fallait être en tête, mais elle a pas compris qu'il fallait l'être jusqu'au bout. C'est ça un petit peu qui est dommage dans sa stratégie. Véronica est pas mal, tout le monde est bien. La Délicieuse Grenouille va nous mater. Allez voir, vous allez regretter de l'avoir invité. Délicieuse Grenouille à un langage parfois très familier. Audrey donc est en tête comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Ah regardez, il y a une boule de loto là, enfin j'appelle ça comme ça, une lessiveuse, je sais pas trop. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, ça me dit quelque chose, mais pas. On l'avait ça, mais pas dans la neige, il me semble. Peut-être que si. Alors, Audrey, dans la boule de loto, purée, elle est passée complètement au travers. Mais tout le monde passe au travers, en fait. Elle ne sert à rien, cette boule de loto, parce que si on n'arrive pas par en haut, ok. Donc, Audrey est en tête. On a Véronica, Laurent, Irène Blanche, Délicieuse Grenouille, Eric, Cubizol, tac-tac-tac, qui d'autre? Sylvain, Sicolis, Sun Harmonix. Et puis après, plus loin, on a Froguilly et Marguerite. Alors, on va zoomer un petit peu sur l'arrivée de cette course, là, voir ce qui s'y passe concrètement. On a Audrey qui est à deux doigts de la victoire, là. On a Laurent qui la rattrape, Eric Bizol, Irène Blanche également, ils sont vraiment pas loin, là, dans son tampon noir of the dead. Il y a Véronica, il y a quelqu'un qui en est sorti, je crois, non, c'est une illusion. Juste une, c'est Véronica, Sylvain, Audrey, Eric, Sun Harmonix qui sont sortis en tête, pratiquement tous ensemble. Irène Blanche également est sortie. Sticolis arrive. Margounette, Délicieuse Grenouille qui va faire un top 10. C'est incroyable. Bravo à Véronica. Ça fait longtemps que tu n'avais pas gagné. Bravo à toi. C'est Margounette qui ferme la marche. Délicieuse Grenouille est 9e. Voilà. C'est ça, de faire jouer les bottes. C'était la 4e course, ça, il en reste une, c'est ça? C'est la 5e? Eh bien, Véronica, tu choisis le numéro pour la 5e course. Tu connais le principe. Un numéro entre 1 et 59 qui n'est ni 6, ni 42, ni 20, et j'ai oublié les autres, ni 36. Tac, tac, tac. Alors, un autre prochaine tournée, une délicieuse grenouille. Vous êtes en train de me la dévoyer, cette pour grenouille. T'inquiète, ça va tout le monde de se faire battre par moi. J'ai pas de numéro, Véronica. 45, excuse-moi, j'avais pas vu. Autant pour jeu. Space Chase. Allez. Après, c'est la dernière course de la journée. Je crois pas. Ouais. Tout le
tout le monde n'a pas tapé play. Hein. Play Store pour ma gounette qui veut aller s'acheter un petit jeu. Vous êtes que 6, 7, 8, 9. Allez, on y va. Il nous en manque 2 là. Sun Harmonix encore à la traîne, j'imagine. Il prend son petit déj en même temps, je suis sûr. Partie de la team pyjama Sun Harmonix. Audrey, on n'a pas Audrey, il me semble aussi. C'est vous qui n'êtes pas là, je crois. Sun Harmonix et Audrey. Sun Harmonix, le voilà. Et voilà Audrey, voilà, on est 11. Bien sûr, mon cher Stikolis, je vais répondre à Freddy avec plaisir. Je vais répondre à Freddy. Je vais lui répondre quoi ? Quelle était ta matière préférée au collège ? Les cours de récréation, ça c'est énorme. C'est énorme. Cette blague est parfaite. Allez, c'est parti. C'est la dernière course before the lunch time, parce qu'on a faim. Voilà. L'insolence. C'est génial c'est qu'elle fasse des blagues comme ça. C'est génial. Alors, comme d'habitude, on part dans un entonnoir. C'est soit ça, soit une espèce de truc avec des tics. On descend dans l'entonnoir. Qui va sortir en tête ? C'est pas toujours la personne qui finalement gagne la course, hein, ceci dit, mais. Eric Margounette, Irène Blanche, Audrey, tout le monde est mélangé là. Tout le monde est mélangé, c'est dur à voir. C'est Eric Kumzel qui a pris une vitesse folle. Froguili, Audrey, Laurent, Délicieuse Grenouille, Sicolis. Margounette est tombée. Voilà. Sun Harmonix, Irène Blanche, Sylvain et Véronica sont derrière. Et Eric est pour l'instant premier. Je sais pas ce que c'est que cet obstacle chelou là, mais. Il est tombé, Eric. Ah non, il n'est pas tombé. Bravo à lui. Tac, tac, tac. Je ne comprends rien à cette course. C'est fantastique. Regardez, je fais un super travelling. C'est pas un travelling, en vérité. Pour être au plus près de l'action, tout le monde est parti dans la même branche. Il y a deux branches, j'avais vu, on est tous partis dans la même. Eric, Sun Harmonix, Audrey, Irène Blanche, Froggy, Délicieuse Grenouille, Laurent, Sicolis. Derrière, on a Sylvain qui est très loin, on a Véronica qui rattrape un peu tout le monde. C'est Audrey qui risque, non, elle s'est fait repousser par la balayette là. Balayette. Oh là là, Eric Huizel, il a été projeté vers l'avant, tel un vaisseau dans Wipeout. Alors là, il y a des petits pics hein, qui ralentissent pas mal. Est-ce qu'il va réussir à aller au bout ? Oui, il a réussi à aller au bout. Il est premier sur Normandie, c'est deuxième, Laurent. Troisième, Irène Blanche, quatrième, Froggy, cinquième, Audrey, six, ainsi que septième. Délicieuse Grenouille qui fait à nouveau un podium. Véronica un top 10 également. Et Sylvain, et on a donc Margounette qui est tombée, qui n'a pas fini la course. Désolé pour toi, Margounette. Ben voilà, on a fini. On a fait nos 5 courses, je ne rêve pas. Waouh, 2 fois en un matin. Ouais, ben. Bravo à toi. On en est où des scores ? Eh ben, on va le voir tout de suite. Alors, on a Taounou, Irène Blanche qui sont toujours à. Tiens, comment ça se fait ? Ah putain, c'est pas vrai, ça a pas marché. Bah si, ça a marché. On a Sun Harmonix et Eric qui ont bien leur donner. Ah ouais, si, ça a marché. Ça a marché, autant pour moi. Donc 86, 83, 80, Eric qui remonte avec Sun Harmonix, qui remonte terriblement dans le tableau. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Audrey, Sicolis, Véronica qui remonte aussi pas mal. Hein. Elle avait 11 points, elle est remontée à 33 points. Elle a eu une victoire ce matin, donc bravo à elle. Ben voilà, on en a fini avec ce jeu. Rien n'est joué, hein. Rien n'est joué, les écarts se resserrent même, je dirais. Eric et Sun Harmonix sont surperformés ce matin. Écoutez, bravo à vous. C'est assez impressionnant. On va se quitter. Il est 13h. Demain, programme chargé demain. Oula, ça câble complètement. Mais bon, ça va. Programme chargé demain parce que. Attendez, est-ce que j'ai mon PC qui rame ? Je ne sais pas ce que ça donne chez vous.
C'est juste que personne ne peut battre Léonou avec un H. C'est même, c'est nouveau. J'étais 4 et je suis 6. Ben ouais. C'est Sonharmonix et Eric qui ont complètement vampirisé ces 5 courses. Hein. C'était terrible. Bon appétit. On va manger demain matin à 11h. C'est Margounette. Demain, fin de journée, à quelle heure? C'est Audrey. Je sais pas si tu joues à 21h, plus tôt, plus tard. Donc Audrey, qui va jouer à Many Things of Mr. Many Pieces of Mr. Koo, je crois, comme ça. Un jeu super joli, très beau et très intéressant. C'est un jeu d'énigmes, on va dire, de réflexion. Voilà, donc ça, c'est le stream du team. Ah oui, c'est vrai, nous dit-elle. Pas envie, hein, si t'as pas envie, mais pas de soucis. Hein, alors, en tout cas, voilà, demain, double stream et deux streams de filles. Donc, on ne pouvait pas dire qu'on n'est pas sympa. Hein, voilà. Tout est là pour vous réjouir. Moi, je vous fais des bisous. Merci encore à Eric et à Pulsophonix. C'était très cool. Bonne journée, bon appétit. Il faut que je fasse terminer, mais je ne sais pas comment ça marche ici. Ça va être un peu différent d'habitude hein, parce que on est sur un système de streaming un peu différent. Ciao !